Bonsoir, il est 19 h. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 13 octobre 2020, donc je suis en compagnie de la directrice générale, maître Stéphanie Parent, et de notre greffier, monsieur maître Guillaume Lorrain-Taillefer. Donc je suis dans la salle du conseil municipal avec l'équipe technique et je suis accompagné de l'ensemble du conseil municipal qui sont individuellement à la maison grâce à la technologie Zoom. Donc, pour ceux qui ont écouté les séances municipales qui ont eu lieu entre mars et mai, donc on va répéter la même formule. Donc, je demande aux conseillers de, lorsqu'ils veulent prendre la parole, qu'ils lèvent la main et ils vont activer leur micro s'il y a des questions. Mais quand on propose et qu'on appuie, là, vous avez entière liberté de le faire. Donc, je déclare ainsi la séance ouverte. Il doit être 19 h 01, suivant cette introduction-là. Donc, 19 h 01. Petite annonce, je veux faire un petit retour sur la séance d'information. Simplement souligner que le greffier, le service du greffe, a émis un avis public et a prolongé la séance de consultation écrite jusqu'au 2 novembre, 17 h, si je ne m'abuse. Donc, ça va bien. J'encourage les gens à participer et oui, la consultation, c'est le règlement 3001 2020-12. Oui, j'ai oublié de me le noter. C'est très, très pertinent. Merci de la précision. Donc, j'encourage les gens à continuer à envoyer leurs suggestions, commentaires, questions. Je vous dirais que la participation est très bonne et ça nous réjouit de voir que la population participe à ce processus-là. Donc, continuer, ça va assurément nourrir nos réflexions dans le but de l'adoption du règlement 3001-2020-12. Ensuite, je vous invite à rester informé grâce à nos différents outils de communication en vue de la fête de l'Halloween. Donc, je sais que l'équipe du service des loisirs travaille sur quelque chose de spécial pour le 31 octobre. Donc, par respect pour leur travail, je ne dévoilerai pas beaucoup de détails ce soir, mais il est question de dynamiser la ville là, en permettant différents sites où il y aurait distribution de bonbons. Donc, je vous invite plutôt à être bien attentif. Je veux aussi mettre en valeur une initiative de la bibliothèque de Saint-Colomban. Comme vous le savez, la bibliothèque, depuis le début de ce moment particulier de l'histoire, est très, très créative. Donc, leur dernière initiative, c'est principalement de permettre des sélections surprises de livres. Donc, vous n'avez qu'à envoyer un courriel ou laisser un message ou entrer en communication avec eux et donner vos intérêts et ils vous prépareront une sélection surprise de recueils, livres et tout autre document qui peut être emprunté à la bibliothèque. Donc, ça nous amène au point 1.2. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour, ça prend quelqu'un qui propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Isabelle Lapointe, je propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.1 en suivi. Donc, il y avait eu des demi-réponses sur le banc, selon les notes du service du greffe. Donc, sur deux sujets. Le premier, l'ouverture de la rue Boisé-Vermont, donc le prolongement de la rue qui se fait jusqu'à l'école. Donc, on prévoit, tel que prévu, son ouverture à la circulation d'ici le 31 octobre. Je vous invite encore une fois à être attentif en vertu de nos outils réseaux sociaux. C'est fort probable que ça ouvre avant le 31 octobre, mais nous ne voulons pas prendre de chance. Donc, restez informés pour connaître la date d'ouverture. Je sais que ça va faciliter le trajet de beaucoup de gens, là, le trajet entre la maison et principalement l'école Le Triolet. Deuxièmement, au niveau du ponceau réalisé sur la rue des Patriotes, donc les travaux ont commencé ce matin et il est prévu que ça dure de 2 à 3 semaines. Donc, c'était une question de M. Cusson et précédemment, concernant Boisé-Vermont, c'était une question de M. Désert. Donc, j'espère que mes réponses sont conformes aux questions posées avec quelques jours
pour nous permettre de transmettre la réponse. Donc, 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Donc, j'ai le district, commençons d'abord par le district 3. Madame Lapointe, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. C'est un petit mot pour la guignolée qui s'en vient au mois de novembre. Donc, on a besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles, mais c'est encore un peu incertain, COVID oblige. Donc, il est fort probable qu'il n'y ait pas de guignolée de porte en porte cette année, mais on aimerait fortement que la guignolée puisse se faire au coin des rues, aux intersections, comme les années passées avec les pompiers et tout ça, et des bénévoles. Et puis, de façon très sécuritaire, soyez bien, bien avisés. Les sous ramassés vont être laissés de côté en sécurité pendant quelques jours avant d'être comptés. Donc, pas de danger pour nos bénévoles. Donc, on a besoin de bénévoles pour ça. Alors, je vous laisse un numéro de téléphone. C'est le numéro de téléphone de l'aide alimentaire. C'est une boîte vocale. Alors, si vous désirez vous impliquer pour la guignolée, qui vont se faire novembre, c'est deux fins de semaine en novembre, vers la fin, j'aurais dû regarder la date, là. Je pense que c'est autour du 20 novembre, le samedi dans ce point-là. Bref, si vous êtes disponible, que vous avez le goût de donner un coup de main pour ça, c'est une belle activité qui fait du bien au cœur. Alors, je vous laisse le numéro de téléphone du centre alimentaire. C'est le 450-304-3939. Alors, laissez un message, puis il y a des bénévoles qui vont... il y a quelqu'un qui va prendre ça en charge puis qui va vous rappeler si vous êtes disponible. Merci. Donc, pour le district 4 maintenant, Mme Sandra Mercier, qui, je crois, veut faire un rappel ou à tout le moins signifier à la population la collecte de ramassage de feuilles. Oui, bonsoir à tous. Donc, c'est ça quoi faire avec vos feuilles mortes. Donc, vous avez le choix soit de les déposer dans votre bac brun, soit directement de les composter à la maison. Ou, c'est sûr que les feuilles mortes dans les sacs de plastique ne seront pas collectées. C'est important de le savoir. Donc, de vraiment utiliser les sacs de papier. Ensuite, les feuilles ne sont pas acceptées à l'éco-centre. On n'a pas le droit de les brûler non plus. Donc, dès demain, les feuilles vont être ramassées par camion devant chez vous si elles sont déposées dans des sacs de papier. Donc, il va y avoir quatre prochaines semaines, dans le fond, les quatre prochaines dates jusqu'au début novembre pour mettre vos sacs remplis de feuilles. Merci. Bonne soirée. Donc, est-ce que M. Beauséjour, vous désirez prendre la parole? Oui, bonjour. Tout à fait. Denis Beauséjour, conseiller du district numéro 6. Je vais prendre mon 5 minutes au complet parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. D'abord, je voudrais annoncer à tous les citoyens de Saint-Cormier que je suis maintenant exclu du caucus. Donc, ça a commencé ce soir sans avertissement, encore une fois. Manque de communication du maire envers son conseiller numéro 6. Perdure déjà depuis un certain temps. Je comprends et j'accepte, et c'est la prérogative du maire d'aller dans ce sens-là, mais je tenais à ce que tous les citoyens sachent que je n'ai pas été invité au caucus de ce soir, la précessionnelle du conseil. Et qu'en ce sens, si on me reprochait à la dernière journée d'information de poser des questions en public, qu'on ne me reproche plus jamais ça parce que je n'aurais plus la chance de les poser en caucus. Okay? Et d'ailleurs, c'est la question que j'avais posée l'autre jour à la soirée d'information avait été également posée plus tôt durant les réunions de travail, mais n'avait pas été répondu. J'avais pris une chance de la reposer, mais rendu là, la réponse a été plutôt de m'insulter directement live sur Facebook plutôt que de répondre à la question. Je m'attends à plus de classe que ça de la part du maire de Saint-Colombin. Maintenant, aussi au dernier conseil, le maire a dit qu'il n'y avait pas eu de dépôt de plan pour le projet de camping officiel, officieux, on ne sait plus sur quel mot danser. Il y a un plan qui a été déposé par le propriétaire du lot, qui est M. Garot, le 19 décembre de l'année passée, 2019. Il y a eu environ 9 communications écrites avec la ville et M. Garot depuis ce temps-là. Donc, qu'on vient de me dire qu'il n'y a pas de dépôt, qu'il n'y a pas de projet, qu'il n'y a pas rien, c'est faux. Donc, que les citoyens soient au courant. M. Garot a déjà engrangé un certain nombre de dépenses par rapport à son projet. Son projet est légitime dans la réglementation actuelle de la ville. Maintenant, la consultation publique qui a viré finalement en
journée d'information publique plutôt. Dans le fond, ça, je trouve ça dommage pour un sujet aussi important et aussi lourd de conséquences que l'aménagement et le réaménagement du terrain de l'ancien golf Bonnybrook. J'ose espérer que mes collègues conseillers vont regarder pour avoir une véritable consultation publique. Je me réjouis déjà d'avoir un délai supplémentaire, ben, pour moi d'avoir personnellement, mais que la ville a offert un délai supplémentaire pour les gens. Mais vous savez que prendre le temps d'écrire, ça peut être long. Même si on a quelques arguments à faire valoir, c'est pas toujours ce que les gens désirent faire. Je pense que pour un sujet aussi sensible que ça, ça devrait quand même nécessiter une consultation publique en bonne et due forme. Maintenant, en troisième point, la non-gestion du dossier par rapport à l'ancien terrain de golf Bonnybrook. Avant même d'arriver en élection, on en discutait, c'est de quoi qui motivait à travailler sur ce dossier-là. Ça motivait beaucoup de gens, mais jamais on n'a eu aucune réunion de travail en ce sens-là. Aujourd'hui, on arrive à l'intersection où est-ce qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait encore avec ça. Et où probablement, dans un futur rapproché, il pourrait se passer exactement le même scénario qu'il y a plusieurs années auparavant, où on va tellement mettre de bâtons dans les roues du propriétaire terrien qui risque de se revirer de bord et repoursuivre la ville comme ça a été le cas à une certaine époque, avec les résultats qu'on connaît. Je trouvais ça extrêmement dommage et très peu constructif le fait de ne pas avoir communiqué et d'avoir eu des vraies rencontres avec le propriétaire du terrain pour développer de quoi, de plus permanent, de plus constructif surtout. Ça, c'est une des très grosses lacunes de notre administration dans les derniers trois ans. Ça n'a pas été fait. Je comprends qu'il y avait tous les dossiers à la cour, je comprends tout ça à la cour d'appel, mais éventuellement, ça aurait dû être fait. On avait eu une opportunité à un moment donné où est-ce qu'on avait une fenêtre de temps pour le faire. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, bon, j'aurai encore une patate chaude. On va voir des développements soit ce soir ou dans les prochains mois par rapport à ça, mais clairement, là, il va falloir bouger dans ce dossier-là. Et pour l'instant, ben, il n'y a aucune rencontre de travail qui a été faite avec tous les conseillers concernant le futur développement, peu importe ce qu'il y aura dessus sur le terrain actuel du golf Bonnybrook dans le futur. Les solutions sont simples. On parle de discussion, on parle d'écoute, on parle de vision, de volonté politique et de travail d'équipe. C'est, honnêtement, c'est ça que ça va prendre pour régler ce dossier-là une fois pour toutes. Parce que sinon, on serait en ligne vers un autre dossier judiciarisé où est-ce qu'on va encore s'échanger des lettres d'avocat et c'est déjà parti. Et ultimement aussi, j'aimerais reparler un petit peu plus tard là, si les sujets ils tombent sur ça, sur les sujets de drainage. Il y a déjà des citoyens qui vous en ont parlé sur le fil Facebook. Je m'attends à des réponses assez précises sur ces dossiers-là. Sur le dossier du chemin de la rivière du Nord pour la citoyenne du 225. Donc, merci M. Beauséjour. Votre 5 minutes vient de se terminer. Donc, vous allez me permettre quelques clarifications. Vous avez reçu un courriel du service du greffe pour vous informer que la rencontre était sur Zoom ce soir. Donc, normalement, les rencontres étaient à 17 heures. On a été branchés à cette heure-là. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas reçu l'invitation pour ce soir. Maintenant, dans la rencontre d'information, j'ai plutôt spécifié qu'il n'y avait pas eu de demande de permis officiel et non pas de dépôt de projet. Je pense que même le promoteur du projet s'est manifesté dans les médias là, pour bien s'assurer que le message du fait qu'il ait déposé un dessin ou un sketch avait été fait en décembre 2019. J'entends aussi que vous avez beaucoup d'informations, ce qui nous permet de confirmer ce que nous croyons. C'était que vous entreteniez beaucoup de rapports avec le promoteur et c'est ce qui explique pourquoi des réunions de travail ont eu lieu et que vous n'avez pas été invité. Je crois qu'à plusieurs reprises, nous vous avons mentionné que nous n'avions pas confiance nécessairement en ce que vous étiez capable d'apporter en matière d'intérêt de la ville et vous avez toujours tenu à vous impliquer dans ce dossier-là. Même si pour des cas auparavant, vous n'avez pas hésité à vous retirer lors de décisions qui concernaient un autre terrain qui touchait de près ou de loin le golfe Capri. Maintenant, comme vous le savez, le gouvernement provincial nous interdit de tenir des consultations publiques en présence de gens. Donc, nous étions très, très prêts
à tenir une séance de consultation publique en personne le lundi. Et nous avons reçu une communication ou un décret le vendredi précédent notre consultation publique prévue. Donc, nous avions le choix de se conformer et de suivre les directives, c'est-à-dire consultation écrite. Nous avons quand même fait le choix de faire une assemblée d'informations. Donc, je n'accepte pas les propos que vous tenez. Je vous aussi invite à faire preuve de prudence parce que quand vous mentionnez qu'il y a des menaces de poursuites juridiques, je pense que vous jouez le jeu de votre ami, M. Garreau, et vous tentez de faire peur à la population. Et il faut faire attention de bien protéger l'intérêt de la ville en ce sens-là. Donc, ça nous amène au point 2.1.3. Période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, Mme Saint-Pierre Desjardins, est-ce que vous avez des questions pour nous qui sont en lien avec les décisions à prendre? Non, pas pour le moment. Merci beaucoup. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21, local du mois de juin 2020. Donc, la rencontre s'est tenue le 22 juin dernier. Donc, c'est un dépôt. 2.1.5, dépôt d'une mise à jour des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil municipal. Donc, il est procédé au dépôt d'une mise à jour des intérêts pécuniaires de M. le conseiller Étienne Urbain, daté du 12 octobre 2020, le tout conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et à la transmission du relevé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 2.1.6, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air. Il est proposé, considérant plutôt le désir de la Ville d'améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air et d'en accroître la fréquentation, considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et non admissibles, dont les coûts d'exploitation continue du projet visé, il est proposé d'autoriser la conseillère en planification et optimisation ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et d'autoriser la conseillère en planification et optimisation ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorin. Étienne Norbert, je vais l'appuyer. Ah, oh, je vois que M. Beau. OK, parfait. Il y a un petit bug là, avec la connectivité au niveau de Zoom. 2.1.7, modification de la résolution numéro 142-04-2020 concernant la demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable. Concernant l'adoption par le conseil municipal de la résolution numéro 142-04-2020, relative à la demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, considérant que la dite résolution doit être modifiée afin d'ajouter les éléments suivants à la suite du premier considérant, considérant que la Ville a pris connaissance du guide et programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Il est proposé de modifier la résolution numéro 142-04-2020 afin d'ajouter les éléments mentionnés à la présente résolution. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.8, modification de la résolution numéro 250-08-2020. Concernant la demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, Primada. Considérant l'adoption par le conseil municipal de la résolution numéro 250-08-2020 relative à la demande de subvention dans le cadre du programme d'appel de projet du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, Primada du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Considérant que la dite résolution doit être modifiée afin d'ajouter les éléments suivants à la suite du premier considérant. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide et du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée.
Considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé de modifier la résolution numéro 250-08-2020 afin d'ajouter les éléments mentionnés à la présente résolution. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je le propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.9, modification de la liste des conseils municipaux responsables de divers comités municipaux. Considérant que la résolution 195-06-2019, le conseil municipal a procédé à la nomination des membres du conseil au sein de différents comités municipaux. Considérant qu'il y a lieu de modifier la liste des conseils municipaux responsables de divers comités comme suit. Comité des finances, Mme Sandra Mercier, accompagnée de Mme Danielle Dorèche. Comité consultatif d'environnement, Mme Christiane Wilson, en compagnie de Mme Sandra Mercier. Donc, il est proposé de modifier les résolutions antérieures de manière à annuler toute nomination antérieure incompatible avec la présente résolution. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorèche, je propose. Étienne Norbert, je l'appuie. Merci. 2.1.10, demande d'arbitrage. Je vais demander le droit de parole, s'il vous plaît, M. Lalande. Si vous, ben, normalement, on le demande avant le vote, M. Beauséjour. En haut, Je vais l'accepter pour cette fois-ci. Mais normalement, le droit de parole se prend avant la tenue du vote. Parfait. Faire attention. Ouais, ben, en tout cas, je voulais juste remercier les gens du CICERIC qui m'ont témoigné de leur confiance. Puis, j'entendais en prélude là, qu'on allait couper peut-être un arbre dans le CICERIC Mme Lapointe tout à l'heure. Puis, une de mes propositions que j'avais faites, c'était d'avoir une réglementation qui protégerait tous les arbres, les gros pins blancs centenaires dans Saint-Colomban. Et où ça prendrait vraiment des autorisations très spéciales avec une étude pour bien protéger ces arbres-là. C'est une de mes dernières recommandations que j'ai faites au CCA et une autre aussi sur la durabilité de tout ce qu'on allait entreprendre ou ce que la ville pourrait entreprendre en fait en termes de matière d'environnement. On m'avait dit la semaine passée que je serais plus sur le comité des finances, mais jamais personne n'avait dit que je serais sur le comité du CCA. Donc maintenant, je ne fais plus partie d'aucun comité. Je ne serai que conseiller pour les conseils de ville pour voter puis être la personne qui va poser les bonnes questions au bon moment pour avoir des réponses solides de la part de l'administration en place. Donc, sur ça, ben, ça m'a fait très plaisir d'avoir pu contribuer au dernier CCE de façon très active et je pense que tous les membres du CCE vont pouvoir en témoigner que je suis arrivé avec vraiment des très bonnes idées qui ont fait changer la façon de réfléchir des gens par rapport aux futurs projets d'environnement qui se dérouleront dans la ville de Saint-Colomban pour tous les prochains mandats. OK, c'est tout. Merci. Vous avez assisté à deux rencontres, je crois. 2.1.10, demande d'arbitrage concernant le différend sur le financement du train de banlieue dans le cadre de l'entente intermunicipale relative à la gestion et au financement des équipements, des infrastructures, des services et des activités à caractère supralocal. Considérant que, les villes de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie, Saint-Jérôme-Prévost et la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord ont conclu une entente intermunicipale relative à la gestion et au financement des équipements, des infrastructures, des services et des activités à caractère supralocal, ci-après EISA, en 2002. Considérant qu'à l'article 2 de cette entente, il est prévu que le service de train de banlieue est désigné comme un EISA. Considérant qu'un différend existe entre la Ville de Saint-Jérôme et les autres municipalités de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, soit les municipalités de Saint-Colomban-Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost, quant à l'interprétation de la disposition portant sur le financement du service du train de banlieue, considérant que les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost souhaitent soumettre leurs différends à l'arbitrage en vertu de l'article 24 de la loi sur la commission municipale, considérant que les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost souhaitent également réclamer les trop perçus à la Ville de Saint-Jérôme pour les sommes qui ont déjà été versées par la MRC de la Rivière-du-Nord, considérant que les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost souhaitent être conseillées et représentées par la même firme d'avocats, il est proposé de mandater la firme d'avocats Cain Lamar pour conseiller la Ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné, de soumettre le différend à l'arbitrage de la commission municipale en vertu de l'article 24 de la loi sur la commission municipale ou de soumettre le différend à toute autre instance appropriée. La présente résolution ne peut être en aucun cas considérée comme étant de renonciation au droit au secret professionnel. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais le proposer. Et en appui. Daniel Dorèche, merci beaucoup.
2.1.11, mandat à la firme LGR Avocat relativement au dossier Ville de Saint-Colomban contre les souscripteurs du Lloyd's. Considérant que la Ville désire mandater un procureur relativement au dossier de la Ville de Saint-Colomban contre les souscripteurs du Lloyd's, il est proposé de mandater la firme LGR Avocat pour conseiller la Ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant de renonciation au droit au secret professionnel. Donc, c'est suivant tout le dossier contre boutique Gilles Garreau, boutique Golf Gilles Garreau, pardonnez-moi. Donc, comme vous le savez, dans le jugement de première instance, la Cour supérieure avait stipulé qu'il y avait eu une mauvaise foi de la Ville. Ça a été renversé, donc, en cours d'appel. Donc, la mauvaise foi ne tient plus lieu. Donc, il s'agit de mandater le bureau d'avocat afin qu'elle défende nos intérêts et que les sommes qui ont été dépensées soient remboursées en tout ou en partie par la compagnie d'assurance telle que le stipulait à l'époque la police. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Nomination d'un membre au comité, de l'agenda 21 local, considérant qu'il y avait un poste vacant au sein du comité agenda 21 local, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre, il est proposé de nommer séance tenante M. Simon Harvey afin de siéger au sein du comité agenda 21 local et que son mandat se termine le 15 janvier 2022. Donc, c'est suivant la réception de curriculum vitae, nous avons sélectionné Simon Harvey. Donc, je préside de ce comité-là. Simon Harvey est un ancien employé de la Ville de Saint-Colomban, un résident depuis longtemps du territoire. Donc, il pourra certainement apporter un apport à la Ville et au comité. En proposition, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a perdu le son? Donc, nous avons perdu la connexion. Ça va revenir bientôt. C'est la pluie. Est-ce que nous sommes en ligne? Je suis en direct sur Facebook, mais seul. Donc, nous avons des petits problèmes techniques. Nous avons une connectivité qui est très lente au niveau d'Internet. Donc, nous allons attendre que tout le monde soit avec nous. Je parle des membres du Conseil et nous allons poursuivre. Nous sommes en ligne. Donc, nous étions rendus à la proposition 2.1.12. J'en avais fait la lecture. Ça prend quelqu'un qui propose la nomination. Sandra, merci. Je propose. Pour l'instant, il faudrait peut-être reprendre la lecture parce qu'il n'y a personne ici qui a entendu. Parce que ça l'a oublié. Parfait. Donc, considérant qu'il y avait un poste vacant au sein de l'agenda 21 local, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre, il est proposé de nommer M. Simon Harvey afin de siéger au sein du comité agenda 21 local et que son mandat se termine le 15 janvier 2022. Donc, Mme Mercier proposait. Ça prend un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Dorège. 2.2.1, approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en septembre 2020, considérant que les copies du procès-verbal ont été remises à chaque membre du conseil municipal à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes et qu'en conséquence, le greffier, heureusement, est disposé d'en faire la lecture. Il est proposé d'approuver et d'adopter tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Tu le proposes, puis je l'appuie. Madame Wilson appuie, Monsieur Urbain propose. Donc, si jamais il y a des problèmes de connectivité, là, faites-moi signe. Moi, je ne sais pas tout. Je ne peux suivre tout en même temps. Ah, ça nous amène 2.2.2, autorisation de signature, cession du lot 1 673 107 du cadastre du Québec 281 rue du bord de l'eau dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière des inondations et pluies abondantes. Considérant que la propriété située
sur le lot 1 673 107 du cadastre du Québec a été inondé en 2019, considérant que cette inondation a occasionné des dommages à la dite propriété, considérant que le propriétaire est éligible au programme d'aide financière précédemment mentionné, considérant que le propriétaire du dit lot a choisi de céder son terrain à la Ville pour la somme nominale d'$1, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale ou le greffier à signer les documents requis à l'acquisition du lot 1 673 107 du cadastre du Québec. La présente résolution est conditionnelle à la démolition du bâtiment principal et à la démolition ou au déplacement des dépendances situées sur le lot 1 673 107 du cadastre du Québec. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte sont aux frais de la Ville. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorin, j'appuie. Merci beaucoup. 2.2.3, abrogation de la résolution 257-08-2020. Considérant que la propriétaire du lot 2 078 494 du cadastre du Québec avait offert de céder son lot à la Ville, considérant que le propriétaire du lot a retiré son offre, considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 257-08-2020, il est proposé d'abroger la résolution 257-08-2020 concernant l'acquisition du lot précédemment nommé du cadastre du Québec, secteur du lac Capri. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Norbert, je vais le proposer. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.2.4, mandat à la firme DHC Avocats Incorporés relativement au dossier du 567 Côte-Saint-Paul, considérant que la Ville désire mandater un procureur relativement au dossier du 567 Côte-Saint-Paul. Il est proposé de mandater la firme DHC Avocats Incorporés pour conseiller la Ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant une renonciation au droit au secret professionnel. Donc, il y a beaucoup de gestes qui ont été posés sur le lot où se situe le bâtiment 567 Côte-Saint-Paul. Donc, il y a lieu de mandater un procureur afin d'émettre des directives et idéalement que la situation soit corrigée et que le dossier puisse poursuivre afin que les choses soient commises à l'intérieur des règlements et de la loi. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Isabelle Lapointe, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.3.1. Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 30 septembre 2020. Donc, c'est un dépôt. Les montants sont de 658 059,08 $ et font référence au chèque 28022 à 28085 qui a été effectué en vertu du règlement numéro 1018-2020. 2.3.2. Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 792 494,49 $ en référence au chèque numéro 28086 à 28268 et d'autoriser la trésorière ou, en son absence, la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorège. Sandra Mercier, je l'appuie. Donc, Mme Dorège et Mme Mercier. 2.3.3, dépôt du rapport des états comparatifs. Donc, il est procédé au dépôt des états comparatifs conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Les états comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisés du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 à ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante. Il s'agit aussi des états comparant les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'état et selon les renseignements dont dispose alors la trésorière et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Donc, en sommaire, nous avons des revenus qui sont estimés à la hausse, principalement au niveau des droits de mutation immobilière, au niveau de l'émission de permis aussi. Là. Donc, pour ceux qui croyaient que la COVID était pour affecter les transactions résidentielles, le montant fixé en début d'année en matière de budget est déjà dépassé. Donc, il reste 3 mois en plus pour dépasser le montant budgété. Même chose pour l'émission de permis. Donc, ça nous indique que les gens étaient à la maison et qu'ils en ont profité pour améliorer leur cadre bâti. Au niveau des dépenses, bien sûr, beaucoup d'activités en matière de loisirs ont été réduites, ce qui nous permet de croire que nous aurons une marge financière intéressante en fonction de la prochaine année. C'est un dépôt. 2.3.4, dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement d'emprunt numéro 2021 décrétant l'acquisition d'appareils de protection respiratoire isolant autonome APRIA et ses équipements et autorisant un emprunt de 432 000 $ nécessaire à cette fin.
Donc, M. Laurent Taillefer, à vous la parole. Oui, donc je dépose le dit certificat. Donc, j'ai obtenu zéro signature ou demande dans le cadre de la procédure d'enregistrement. Donc, le règlement numéro 2021 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. 2.3.5, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1002-2020-04, modifiant le règlement 1002-2020 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux, abrogeant et remplaçant le règlement 1002-2019 tel qu'amendé afin de modifier l'article 4 éco-centre. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Étienne Norbert, je vais vous le donner, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, il s'agit de, vous savez, ça fait pratiquement 2 ans maintenant que l'éco-centre est en fonction et qui est géré par la ville. Donc, il y a des modifications à faire en matière de tarification sur la situation vécue sur le terrain. Donc, il s'agit de mettre à jour ce qui se passe et de proposer des changements en vertu de la nouvelle année. Mais on ne parle pas de révolution, là. C'est simplement s'assurer que ce qui se passe sur le terrain se reflète dans nos règlements. Pardonnez-moi. 2.3.6, adoption du règlement numéro 1002-2020-03, modifiant le règlement 1002-2020 de tarification de l'ensemble des services municipaux, abrogeant et remplaçant le règlement 1002-2019 tel qu'amendé. Concernant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 8 septembre 2020 par Mme la conseillère Sandra Mercier, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1002-2020-03, modifiant le règlement 1002-2020 de tarification de l'ensemble des services municipaux, abrogeant et remplaçant le règlement 1002-2019 tel qu'amendé. Donc, il s'agissait d'établir les frais de gestion concernant le marché public virtuel. Donc, des frais de gestion qui sont fixés à 10 % 5 % qui sont destinés à la plateforme numérique, plutôt l'outil transactionnel sur le site Web. Et il y a 5 % aussi qui sert à couvrir le temps que passent les employés finalement à faire l'assemblement des commandes une fois que les producteurs viennent porter les fruits de leurs commandes au centre récréatif et communautaire. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Pardon, Étienne. Donc, M. Urbain, vous appuyez, c'est ce que je comprends? Oui, je vais appuyer Isabelle. Merci. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 27 août au 30 septembre 2020. Donc, donnez-moi quelques secondes, je vais vous faire une petite lecture sommaire si je trouve ce document. Et voilà. Donc, il y a eu 2 embauches au service des sports, loisirs et vie communautaire, principalement des surveillances d'installation. Il y a eu une embauche aussi au service des travaux publics, journalier spécialisé à l'éco-centre. Il y a eu une nomination au niveau de la brigadière. Changement en fonction 31 août 2020. Il y a eu la fin de probation de 2 employés, un employé au service des travaux publics et un autre au service des sports, loisirs et vie communautaire, pardonnez-moi. Il y a eu une mise à pied temporaire au niveau du service des sports et loisirs, journalier surnuméraire. Et il y a eu 2 fins d'emploi. On parle de deux démissions, en fait. Une au service des sports, loisirs, vie communautaire, surveillance d'installation, et un deuxième, une démission technique au niveau du service des incendies, donc un lieutenant qui voulait revenir au statut de pompier uniquement. Donc, c'est un dépôt. 2.4.2, fin de la période de probation, concepteur artistique. Considérant que par sa résolution numéro 136-04-2020, la Ville a procédé à l'embauche de M. Mathieu Douville à titre de concepteur artistique, et ce à compter du 14 avril 2020, selon les normes établies par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville, considérant que conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, M. Mathieu Douville a rencontré les objectifs fixés à son engagement, il est proposé de mettre fin à la période de probation de M. Mathieu Douville et de confirmer le statut employé cadre permanent. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Merci, Mme Dorèche. Donc, félicitations, M. Douville. Bienvenue de manière permanente parmi nous. 2.4.3, adoption de la politique 8020 portant sur le télétravail, considérant que la Ville désire adopter la présente politique et ce, afin d'actualiser sa gestion et privilégier, lorsque possible, la souplesse dans l'organisation. Considérant que le télétravail s'inscrit dans les principes de développement durable en matière de protection de l'environnement par la diminution des effets
des émissions de CO2 liées au transport. Il est proposé d'adopter la politique 8020 portant sur le télétravail. Bien sûr, vous allez comprendre que les circonstances actuelles ont un peu précipité les choses. Ça nous a permis de mesurer l'efficacité d'un tel outil. Je crois que c'est aujourd'hui normal pour un employeur d'adopter une politique de télétravail. Surtout, ça nous permet de nous mettre à jour enfin là, en fonction des technologies qui sont offertes. C'est comme si les technologies s'étaient développées et ça n'avait pas changé la façon de concevoir le télétravail, principalement sur le lieu de l'emploi. Donc, ça nous permet, avec cette politique-là, d'offrir et d'encadrer les paramètres du télétravail. Donc, dans cette politique-là, on vient stipuler les exigences des gestionnaires envers les employés et ça nous permet aussi d'évaluer le processus d'évaluation qui permettrait à l'employé là, de pouvoir profiter ou non du télétravail. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, une seconde. Ah, qui proposait? Étienne Urbain. Et moi, je seconde. Parfait, Mme Lapointe, merci. Merci, M. Urbain, de vous manifester physiquement. Ça nous aide quand on perd le son. 3.1, dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'environnement du mois d'août 2020. La rencontre s'est tenue le 26 août 2020. Pardonnez-moi. Et Mme Mercier, je crois que vous voulez en faire un bref résumé. Oui. Donc, on est toujours à travailler sur le plan d'action changement climatique. On est à la troisième version. Donc, c'est ça, on va être rendu vraiment classifier les actions selon le court terme, moyen terme et long terme. On est vraiment une belle équipe, puis ça avance bien. On est bien, bien content de tout ce beau projet. Merci. Merci beaucoup. C'est un dépôt. 3.2, dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de septembre 2020. Donc, la rencontre s'est tenue le 15 septembre 2020. Vous allez voir les points qui suivent. Font partie, en quelque sorte, du procès verbal. Là, je parle du point 3.4 et les suivants. Mais en attendant, on s'en va tout de suite au point 3.3. Octroi de contrat, service professionnel pour le contrôle biologique des insectes piqueurs et des mouches noires piqueuses. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour des services professionnels pour le contrôle biologique des insectes piqueurs et des mouches noires piqueuses. Considérant que le résultat de l'évaluation des soumissions par le comité de sélection du 1er octobre 2020 est le suivant. Donc, pour la première fois de l'histoire de la Ville de Saint-Colomban, nous avons reçu deux appels d'offres. Premier appel d'offres, GDG Environnement Limité, pointage intérimaire 79, prix incluant les taxes 841 538,82, c'est pour 3 ans. Donc, pointage final 1,5329. Deuxième appel d'offres, conseiller Forestier Roy Incorporé, pointage intérimaire 75, prix incluant les taxes sur 3 ans, 943 542,34, pointage final 1,3247. Considérant la recommandation du comité de sélection, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise GDG Environnement Limité, et ce, conformément à leur soumission datée du 30 septembre 2020, au montant de 731 932, excluant les taxes applicables, c'est ce qui distingue le prix précédemment nommé et celui que je viens de dire, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-470-00-453. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derèche, le proposé. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 3.4, Mme Derèche, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, tout à fait. Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vous présente deux demandes de dérogation mineure et deux demandes d'acquisition de l'eau. Le premier, c'est le point 3.4, qui est une dérogation mineure pour le 73 rue des Cuivres. Et ça consiste à permettre la construction d'un deuxième garage dans le secteur partiellement desservi par l'aqueduc. Un garage intégré à la maison est déjà en place. Le demandeur désire avoir un second garage, mais celui-là va être isolé. Et le règlement de zonage de 3001 spécifie que l'article 140, que dans le cas d'un terrain qui va être desservi partiellement par l'aqueduc, le nombre maximum de garages autorisés par bâtiment principal est fixé à 1, soit un garage intégré et un garage isolé. Je vais aussi mentionner que la superficie de ce lot est exceptionnellement élevée pour ce secteur, car il fait plus de 24 500 m², tandis que les autres lots environnants sont environ de 3 000 m². Aussi, l'implantation projetée du garage sera non visible
des autres voisins et cela ne cause pas de préjudice au voisinage. Alors, ça va comme suit, le numéro 2020-20287. La nature et effet, c'est de permettre un deuxième garage isolé sur un terrain partiellement desservi, le tout tel qu'il apparaît au plan minute 38306, préparé par Alain Sanssouci, arpenteur géomètre, en date du 9 septembre 2020. Identification du site concerné, c'est le matricule 5566-01-5961, le cadastre 6265-791 et l'adresse, c'est le 73 rue des Cuivres. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 15 septembre 2020, concernant la dérogation mineure 2020-20287, considérant l'avis public affiché et publié le 17 septembre 2020 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de la dite dérogation mineure, considérant la tenue d'une consultation écrite du 17 septembre 2020 au 13 octobre 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu à la Ville suivant la publication de l'avis, de toute personne qui aurait désiré transmettre des commentaires à propos de cette dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes via le clavardage sur la page Facebook de la Ville. Est-ce qu'on a... Oui, juste un instant, Mme Darèche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose une question spécifique à ce point-là, Mme Saint-Pierre-Desjardins? Vous pouvez prendre votre temps. Non, pas ce que je vois. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, Mme Darèche. Merci. Alors, il est demandé d'approuver la dérogation mineure 2020-20287 telle que recommandée. Si je peux me permettre, avant de proposer d'appuyer, faut savoir que la dimension pour des terrains partiellement desservis, la dimension des terrains pour des lots partiellement desservis, donc avec aqueducs, sont normalement plus petits. C'est ce qui explique la réglementation plus restrictive que sur des terrains de 4000 mètres. Dans le cas qui nous concerne ici, là, vous me corrigerez, Mme Darèche, si je fais erreur, c'est un terrain tout près de 24000 mètres carrés sur lequel il est desservi. Là. Il y a notamment un milieu humide, je pense, derrière, là, qui génère une dimension assez importante du terrain et aussi le fait que, de par le découpage là, des 10 lots. Donc, en ce sens-là, Le fondement qui justifie le fait de ne pas permettre un deuxième garage sur le terrain ne s'applique pas puisque le terrain est de dimension assez anormale pour un secteur partiellement desservi. Tout à fait. Donc, est-ce que quelqu'un propose, s'il vous plaît? Je vais proposer, Daniel Derèche. Merci beaucoup. Ouais, merci, Mme Wilson. Je vais l'appuyer. Ah. Merci beaucoup, Mme Wilson. 3.5, dérogation mineure, 128, rue Doris. Je vous cède encore une fois la parole, Mme Darèche. Merci beaucoup. Alors, la dérogation mineure numéro 2020-2289, qui consiste à permettre un garage, que le garage isolé existant soit à 6,86 mètres dans la marge avant, au lieu du 12 mètres tel que prescrit par la réglementation, le tout tel qu'il apparaît au plan minute 83-94, préparé par Daniel Richer, arpenteur géomètre, en date du 10 juillet 2020. L'identification du site concerné, le matricule 5968-12-6593, le cadastre, le 1-670-746, et l'adresse est le 128 rue Doris. Alors, ça va comme suit. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 15 septembre 2020, concernant la dérogation mineure 2020-20289, considérant l'avis public affiché et publié le 17 septembre 2020 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure 2020-20289, considérant la tenue d'une consultation écrite du 17 septembre 2020 au 13 octobre 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu à la Ville suivant la publication de ladite avis, par toute personne désirant transmettre des commentaires à propos de cette dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes via le clavardage de la page Facebook de la Ville. Je vous arrête. Merci. Est-ce que, Mme Saint-Pierre-Desjardins, il y a des questions spécifiques à ce point qui sera à voter?
Non, pas à ce que je vois. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez continuer, Mme de Reich. Merci. Alors, il est demandé d'approuver la dérogation mineure 2020-289 telle que recommandée. Merci. Si je peux ajouter, la réglementation qui était en vigueur à cette époque-là était de 7,5 mètres, donc lors de la construction de la maison. Et il semble qu'il y ait eu une erreur là, de début de calcul de la distance, si bien que nous avons l'obligation d'émettre une dérogation mineure en fonction de la réglementation actuelle. Donc, à l'époque, c'était 7,5. Aujourd'hui, c'est 12. Donc, quand on observe à vol d'oiseau l'emplacement du dit garage avec la maison, là, il n'y a pas une déformation ou une incohérence dans le quartier là, quant à l'emplacement du garage. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci, je le propose. Et en appui. Merci beaucoup, Mme Wilson. 3.6, acceptation de la demande d'acquisition du lot 2,080,183 du cadastre du Québec. Mme de Reich. Oui, merci. Considérant la demande d'acquisition du lot 2,080,183 du cadastre du Québec, considérant que cette demande a été présentée au Comité consultatif d'urbanisme du 15 septembre 2020 et que le CCU, par sa résolution 10-09-2020, recommandait au Conseil municipal d'accepter la demande d'acquisition du lot 2,080,183 du cadastre du Québec, considérant que le règlement 1019 relatif à la vente de terrain est applicable à cette demande d'acquisition, considérant que dans l'éventualité où le lot ferait partie du domaine public, le conseil municipal consent expressément, par la présente résolution, à en charger la vocation, à en changer la vocation et à le verser dans le domaine privé avant l'aliénation. Il est demandé d'entériner la recommandation du CCU pour les mêmes motifs que ceux exprimés à la résolution 10-09-2020 du procès verbal du 15 septembre 2020 du CCU. Et de changer la vocation du lot, si requis, et de le verser dans le domaine privé de la ville, et d'autoriser le greffier à procéder à la mise en vente du dit lot conformément au règlement 10-19 relatif à la vente de terrain. Merci beaucoup. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire, Daniel de Reich. Merci. Et en appui. Merci beaucoup, M. Urbain. Maintenant, en point 3.7, acceptation de la demande d'acquisition des lots 2,079,524, 2,079,525 et 2,079,547 du cadastre du Québec. Madame Dorage, si vous voulez en faire la présentation, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour le point 3.7. Peut-être considérant la demande d'acquisition des lots mentionnés par M. le maire précédemment du cadastre du Québec, considérant que cette demande a été présentée au Comité consultatif d'urbanisme le 15 septembre 2020 et que le CCE, par sa résolution 11-09-2020, recommandait au Conseil municipal d'accepter la demande d'acquisition des lots mentionnés précédemment du cadastre du Québec. Considérant que le règlement 10-19 relatif à la vente de terrain est applicable à cette demande d'acquisition, considérant que dans l'éventualité où les lots feraient partie du domaine public, le conseil municipal consent expressément par la présente résolution à en changer leur vocation et à le verser dans le domaine privé avant l'aliénation. Il est demandé d'entériner la recommandation du CCU pour les mêmes motifs que ceux exprimés à la résolution 11-09-2020 du procès verbal du 15 septembre 2020 du CCU et de changer la vocation des lots si requis, de les verser dans le domaine privé de la ville et d'autoriser le greffier de procéder à la mise en vente du dit lot conformément au règlement 10-19 relatif à la vente des terrains. Donc, merci beaucoup, Mme de Reich. Pendant que vous en faisiez la lecture de manière éloquente, j'ai demandé à M. Laurent Taillefer d'expliquer le règlement 1019. Je crois que ça va être la première fois que nous le mettrons en application. Donc, c'est un processus qui est intéressant, là, et M. Laurent Taillefer va l'expliquer. Ça s'adresse un peu à tout le monde qui serait intéressé à acheter ce terrain-là. Donc, pour laisser la chance à tout le monde de l'acheter, le règlement prévoit comme un peu un enchère écrit, si vous voulez, là. Donc, je vais publier un avis public ce mois-ci en ligne, là, dans notre section avis public sur le site web, et qui va inviter les gens à déposer leur offre pour les 10 lots qu'on a nommés dans les deux dernières résolutions. Donc, vous allez voir dans l'avis public, ça va mentionner jusqu'à quand vous pouvez déposer votre offre à la ville. Et il y a aussi un formulaire qui va être attaché avec l'avis public qui va être tout
déjà monté là, pour vous. Vous aurez juste à inscrire les numéros de lot qui vous intéressent ou le numéro de lot qui vous intéresse et l'offre. Il faut savoir qu'il y a une mise de prix minimale. Donc, c'est l'évaluation municipale des lots. Donc, ça va être le prix minimum. Donc, si quelqu'un qui veut remporter la mise, ça doit, c'est le plus haut enrichisseur. Et je pense qu'il y a un frais administratif aussi qu'il faut ajouter à ça, M. Laurent. Ça se peut. Moi, je ne le connais pas par cœur, le frais. C'est soit 5 ou 15 % de la valeur. Il y a un dépôt. Exact. En fait, il y a un dépôt à donner avec son offre là, de 10 % de mémoire, mais ça va être indiqué dans l'avis public, là. Vous le lirez. Et c'est une ouverture là, qui est faite publiquement. Bon, là, avec la COVID, je ne sais pas comment on va faire cette ouverture-là. On verra avec les consignes de la santé publique. Et puis, c'est le plus haut enrichisseur qui obtient la mise. Qui obtient le dit terrain. Oui, les ou le dit terrain. Donc, merci beaucoup. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Daniel Bonsejour, je le propose. Daniel Doré, je vais seconder. Merci beaucoup. 3.8, deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et municipalisation des rues et de l'usine de traitement d'eau potable du projet domiciliaire Quartier de la Rivière, protocole d'entente PE 2013 IMMO-01. Considérant le dépôt du rapport de M. Yann Lemontagne, ingénieur au service des travaux publics daté du 5 novembre 2019, recommandant la deuxième acceptation des travaux des infrastructures du développement domiciliaire Quartier de la Rivière, phase 1, protocole d'entente PE 2013-IMO-01, considérant que la garantie financière initiale est de 2 832 984 $, considérant qu'il y a lieu de conserver un montant de 283 298, représentant 10 % du coût total des travaux afin de garantir les défauts de construction, et ce, conformément à l'article 9B du protocole d'entente intervenu entre le titulaire et la Ville, considérant que la Ville désire municipaliser les rues Chénier, Delorimier et John Ryan dans le secteur du projet domiciliaire et qu'à cet effet, elle désire s'emporter acquéreur. Considérant que la Ville désire municipaliser l'usine de traitement d'eau potable, Chénier et ses équipements, ainsi que le bassin de rétention des eaux, il est proposé d'accepter les dits travaux, et ce, conformément à l'article 9B du protocole d'entente intervenu entre le promoteur et la Ville, de municipaliser les rues suivantes. Rue Chénier, le lot numéro 5 738 728. Rue Delorimier, lot 5 273 656. Rue John Ryan, le lot 5 273 657. De municipaliser l'usine de traitement d'eau potable et ses équipements situés au 202 rue Chénier, le lot 5 738 291. De municipaliser le bassin de rétention des eaux, qui correspond au lot 5 273 667. D'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer tous les documents relatifs à cet effet. D'autoriser le maire ou, en son absence, la maire suppléante et la trésorière ou, en son absence, la trésorière adjointe à procéder à la libération de la garantie bancaire portant le numéro OGUA38199 au montant de 2 832 984, le tout conditionnellement, à ce que le titulaire du protocole d'entente ait versé à la Ville une garantie financière au montant de 283 298 $. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte d'acquisition par la Ville sont aux frais du concessionnaire. Je veux seulement vous souligner qu'avant d'accepter l'usine de traitement d'eau potable, nous avons pris possession du guide de l'opérateur, du manuel d'opération de tous les équipements, des rapports mensuels de production d'eau potable, des accès à la télémétrie et du rapport d'ingénieur de l'usine telle que construite. En proposition, s'il vous plaît. Madame Lapointe, je propose. Donc, Madame Lapointe, appuyée par Madame Doreche. Merci beaucoup, mesdames. 3.9, première acceptation des travaux, libération partielle de la garantie financière du projet domiciliaire Quartier de la Rivière, phase 3 et 4, protocole d'entente PE 2020-IMO-03. Considérant le dépôt du rapport favorable de M. Yann Lamontagne, ingénieur au service des travaux publics, daté du 30 septembre 2020, qui spécifie que les travaux relatifs aux infrastructures du projet domiciliaire Quartier de la Rivière, phases 3 et 4, ont été complétés et répondent aux exigences du règlement 245-2014 et ses amendements de la Ville, considérant que la garantie financière initiale est de 810 573 $, considérant qu'il y a lieu de procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, soit un montant de 704 221 $, considérant qu'il y a lieu de conserver un montant de 106 351 $
sous. Afin de garantir les travaux de pavage, de fossés et de ses accotements, il est proposé d'accepter les dix travaux et ce, conformément à l'article 9 du protocole d'entente intervenu entre le titulaire et la ville, et d'autoriser le maire ou en son absence le mairesse suppléante et la trésorière ou en son absence le trésorière adjointe à procéder à la libération d'une partie de la garantie financière portant le numéro OGUA 63052 au montant de 810 573,75 $, le tout conditionnement à ce que le titulaire du protocole d'entente ait versé à la ville une garantie financière au montant de 106 351,89 $. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe. Et moi, je vais la seconder. Madame Doreche et Madame Lapointe. Merci beaucoup. 3.10, cession du lot 6 398 902 du cadastre du Québec pour fin de parc, terre et jeu et espace naturel. Considérant que le propriétaire des lots 2 078 243 et 2 078 244 du cadastre du Québec souhaite procéder à une opération cadastrale des 10 lots. Considérant que l'opération cadastrale proposée par le propriétaire est conditionnelle au paiement en argent des frais pour fin de parc, terre et jeu et espace naturel, et ce, conformément à l'article 24, alinéa 1 du règlement de lotissement numéro 600. Considérant que le propriétaire propose à la Ville la cession du lot 6 398 902 du cadastre du Québec à être créé et identifié sur le plan cadastral parcellaire signé par Noémie Lebel, arpentrice, géomètre, arpentrice, arpenteur? Arpenteur avec un E? On va dire arpenteur, géomètre et on va prétendre que c'est un homme, c'est ça qu'on va faire? Noémie Lebel? Non, c'est arpenteur avec un E. Sous la minute 11.51, à titre de frais pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, au lieu du paiement d'une somme d'argent, considérant que l'article 24, alinéa 2 du règlement de lotissement numéro 600 prévoit que le conseil municipal peut exiger du propriétaire la cession d'une superficie de terrain équivalente à 10 % de la superficie des terrains faisant l'objet de l'opération cadastrale, il est proposé d'exiger du propriétaire des lots précédemment nommés du Calage du Québec, la cession du lot 6 398 902 du Calage du Québec a été créée, identifiée sur le plan cadastral parcellaire signé par Mme Noémie Lebel, arpenteur géomètre, sous la minute 11.51 à titre de frais pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, au lieu de paiement d'une somme d'argent, et ça en vertu de l'article 24, alinéa 2 du règlement de lotissement 600. On va finir ça comme il faut. Et donc, il est proposé de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à cet acte d'acquisition, d'autoriser le maire ou en son absence le mairesse suppléante et la directrice générale ou le greffier à signer les documents requis à l'acquisition du lot 6 398 902 du cadastre du Québec. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de cession sont aux frais du propriétaire. Donc, c'est une acquisition dont nous sommes fiers et c'est le fruit d'une belle entente entre le propriétaire et la ville. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, c'est un lot qui est situé le long de la montée Brisebois et qui est situé en zone industrielle. Donc, pour nous, la Ville, de faire l'acquisition d'un terrain sur un zonage industriel, c'est éminemment stratégique et très intéressant pour le futur. En 4.1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 4001-2020-08 modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation au stationnement tel qu'amendé afin de modifier l'annexe G, stationnement interdit sur les chemins publics. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je vais donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Wilson. Donc, il s'agit de modifier l'annexe G, et si je ne m'abuse, c'est d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Downing. C'est tout? Voilà. Ce sera présenté le mois prochain. Ce sera une présentation tout aussi sommaire que celle que je viens de faire. 4.2. Contrat de fourniture de luminaires de rue au Dell avec service connexe. Donc, je vous implore d'être patient puisque j'ai 3 pages à lire. C'est un projet aussi pour lequel nous sommes très fiers. Si je ne passe pas à travers tous les détails dans ma lecture, ça me fera plaisir de le vulgariser à la fin. Contrat de fourniture de luminaires, bon, ça je l'ai lu, on n'abusera pas. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, si après FQM, une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la Ville. Donc ici, on parle davantage de fourniture de services. Considérant que la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi de contrat de fourniture de luminaires de rue au Dell, incluant l'installation et les services éco-énergétiques et de conception, si après l'appel d'offres
au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé en découlant. Considérant qu'Énergère incorporée a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé, s'est fait adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres de la FQM. Considérant que la Ville a adhéré au programme d'achat regroupé découlant de l'appel d'offres puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date du 31 mai 2019, ci-après l'entente. Considérant que la Ville a reçu d'Énergère incorporée, conformément aux termes de l'appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 19 mai 2020, décrivant les travaux de conversion des luminaires de rue Audel ainsi que leurs coûts n'excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par Énergère incorporée tout en établissant la période de récupération de l'investissement, l'étude de faisabilité. Considérant que l'étude de faisabilité fait également mention de mesures hors bordereaux, s'ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère incorporée dans le cadre de l'appel d'offres. Considérant que les frais découlant des mesures hors bordereaux doivent être engagés pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer l'efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres à la Ville. Considérant que l'ensemble de ces mesures hors bordereaux constituent des accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère incorporée, dans le cadre de l'appel d'offres et n'en changent pas la nature et doivent par conséquent être considérés comme une modification au contrat en vertu de l'article 6.09 de l'appel d'offres et de l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes. Considérant que la Ville est satisfaite des conclusions de l'étude de faisabilité et accepte d'octroyer et de payer à Énergère incorporée les mesures hors bordereaux prévues ci-après en tant que modification au contrat. Considérant que la Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de rue Audel et ainsi contracter avec Énergère incorporée à cette fin telle que le prévoit l'entente. Considérant que la Ville autorise la réalisation de travaux de conversion de luminaires de rue Audel visés par l'étude de faisabilité, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'étude de faisabilité, que le Conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère incorporée afin que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rue au DEL et les services connexes prévus à l'appel d'offres et à l'étude de faisabilité reçue par la Ville, que le Conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires prévues à l'étude de faisabilité si après énoncé devant être traité à titre de mesure hors bordereau. Il s'agit de remplacement de 88 fusibles, excluant porte-fusibles, au montant de 1 460,80 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés. De remplacer 133 porte-fusibles simples, incluant les fusibles, au montant de 9 785,70 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles simples remplacés. Remplacer 10 câblages poteaux de bois munis seulement au montant. Je vais recommencer. Remplacer 10 câblages, entre parenthèses, poteaux de bois, munis seulement au montant de 1 327,90 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés. Les frais d'intervention d'Hydro-Québec pour 131 porte-fusibles au montant de 19 650 $, étant entendu que chacune des interventions est estimée à 150 $ et que la Ville établira le montant payable en fonction des coûts réellement engagés relativement à ces interventions. La signalisation, véhicule escorte et les signadeurs, au montant de 6 373,76 $. La fourniture et installation de 871 plaquettes d'identification, au montant de 10 843,95 $. C'est bien sûr des plaquettes d'identification des poteaux ou des luminaires, c'est les luminaires, qui vont nous permettre de les répertorier sur le territoire. Que Maître Stéphanie Parent, directrice générale, soit autorisée à signer pour le compte de la Ville un contrat avec Énergère incorporée en utilisant le modèle prévu à l'annexe 4 de l'appel d'offres sous réserve d'adaptation et tout addenda concernant la réalisation des mesures hors bordereaux prévues à la présente résolution et qu'elle soit autorisée à accomplir toute formalité découlant de l'appel d'offres ou de ce contrat tel que modifié par addenda, le cas échéant, que le Conseil est autorisé à débourser une somme de 347 130,98 $, excluant les taxes applicables découlant du contrat tel que modifié conclu avec Énergère incorporée, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-300-00-681, projet 2020-17 est financé par le surplus accumulé affecté au réseau routier. Donc, c'est un surplus qui était non affecté depuis 2010-2009. Donc, nous utilisons ce surplus pour faire la transition entre des lampes halogènes, donc les lampadaires halogènes, et faire la transition au DEL
Selon les estimés, ça sera payé à l'intérieur d'une période de 5 ans générée par des économies d'énergie que la transition nous permettra de réaliser. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Daniel Beauséjour, je le seconde. J'aimerais également ajouter bravo pour la lecture de 3 pages. C'est une idée que j'ai apportée au directeur général lors d'une partie curling il y a 3 ans. Je suis content de voir que mon idée a quand même fait du chemin. Puis que grâce à ça, les Colombanois vont pouvoir économiser beaucoup de dollars dans les années à venir. Le remboursement des langues seront faites. Je suis content que mes idées circulent jusqu'à la fin, même si je ne suis plus membre du parti du maire. Tant mieux. Bravo. Je ne suis pas certain de ça, M. Beauséjour. Je pense qu'il y a des villes qui avaient fait le changement avant 2017 et que l'intention du Conseil avait été clairement mentionnée avant la partie de curling d'un party de Noël en 2018 ou 2017. Mais bon, l'histoire en décidera. 4.3, autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la municipalité de Mélile relativement au déneigement d'une partie de la montée de l'église. Donc, l'hiver arrive. Les 2 prochains points sont des signatures d'entente pour favoriser le déneigement. Donc, on commence avec la municipalité de Mélile. Considérant que la Ville désire conclure une nouvelle entente intermunicipale avec la municipalité de Mélile pour le déneigement d'une partie de la montée de l'église située sur le territoire de cette dernière. Considérant que la Ville et la municipalité de Mélile désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour la conclusion de cette nouvelle entente. Il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, la maire suppléante, et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente intermunicipale avec la municipalité de Mélile relativement au déneigement d'une partie de la montée de l'église. Donc, pour éviter des déplacements de véhicules inutiles, on prend en charge le déneigement et on a une entente contractuelle avec Mélile qui leur fait assumer finalement le même taux au kilomètre que ça nous coûterait si on incluait cette portion-là dans le contrat de déneigement global. Et puisqu'on fait ce secteur-là à l'interne, bien, on applique finalement le taux au kilomètre qu'on a reçu en fonction du contrat donné au privé. Je me trompe, M. Laurent Taillefer, est-ce que vous vous en rappelez? C'est exact, merci Mme Parent. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 4.4, autorisation de signature d'un avenant relativement au déneigement et au déglaçage d'une portion de la montée de l'église saison 2020-2021 avec le ministère des Transports du Québec. Donc, c'est une entente qu'on a réalisée en 2018, je crois, et qu'on renouvelle depuis ce temps. Je pense que ça favorise beaucoup la vitesse d'intervention sur le territoire. Considérant la résolution 239-06-18 qui autorisait la signature d'une entente avec le ministère des Transports du Québec relativement au déneigement et au déglaçage d'une portion de la montée de l'église, dossier 88-07-18-49-55, saison 2020-2021, considérant qu'il y a lieu de signer un avenant relatif à l'utilisation des équipements de déneigement et de déglaçage avant le 22 octobre 2020 et après le 14 avril 2021, il est proposé d'autoriser la directrice générale ou le greffier ou le directeur du service des travaux publics à signer l'avenant relatif au déneigement et au déglaçage de la portion de la montée de l'église qui est sous juridiction du MTQ. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.5, octroi de contrat, achat et installation de GPS dans les équipements des travaux publics. Donc ça fait suite finalement au fait que nous allons assumer le déneigement dans le secteur 3. C'est bien ça, hein? C'est le secteur 3 du territoire? C'est pour tous les véhicules? Okay. Souvent, ça nous permet de faire un suivi là, en fonction des plaintes qu'on peut recevoir. On est capable de déterminer si les véhicules, à quelle heure et quand et où ils sont passés. Donc, octroi de contrat, achat et installation de GPS dans les équipements de travaux publics TPDP 2020-404, considérant que le service des travaux publics désire équiper ses véhicules de GPS, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, Atrix Technologies Incorporée, Focus Gestion de Flotte et Carburant, considérant le résultat de la recherche de prix, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. Atrix Technologies Incorporée, 7 997 $. Focus Gestion de Flotte et Carburant, 11 200 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Atrix Technologies Incorporée au coût de 7 997 $, excluant les taxes applicables et ce, conformément à leur offre de prix datée du 9 septembre 2020 pour l'achat des équipements GPS. D'octroyer le contrat à l'entreprise Atrix Technologies au coût de 520 $ mensuellement, excluant les taxes applicables pour la localisation des véhicules. D'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-320-00-640. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Et en appui. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup.
5.1. Adoption du règlement numéro 557-2008-03. Modifiant le règlement 557-2008-01 concernant un service de sécurité incendie de Saint-Colomban, abrogeant et remplaçant le règlement 557-2008, modification des... Il manque peut-être un... Non, il manque pas de tirer. Non. Modification des dispositions sur les feux à ciel ouvert, considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 8 septembre 2020 par M. le conseiller municipal Étienne Urbain. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville. Donc, si vous allez sur le site Internet, il est disponible sur Service aux citoyens, projet de règlement. C'est ça? il est proposé d'adopter le règlement numéro 557-2008-03, modifiant le règlement 557-2008-01 concernant le service de sécurité incendie de Saint-Colomban, abrogeant et remplaçant le règlement 557-2008, modification des dispositions sur les feux à ciel ouvert. Donc, dans ce règlement-là, bien sûr, on fait la définition de qu'est-ce qu'un feu à ciel ouvert et les conditions pour en faire. Il s'agit de déterminer quel est le site où on peut faire un feu. On vient déterminer qu'il faut faire un seul feu par terrain, par lot. Il faut absolument qu'il y ait une personne présente, des règles de base. Il faut qu'il y ait sur place un moyen pour éteindre le feu. On vient stipuler aussi les dimensions nécessaires, les dimensions permises pour faire des feux. Donc, la dimension du feu, là, on parle d'un mètre en largeur et un mètre en hauteur. On vient stipuler la distance pour installer une zone de feu avec les différents bâtiments. Et on vient aussi encadrer par règlement la nuisance que pourrait représenter la fumée chez un voisin. Donc, on vient aussi statuer la coordination avec les directives de la SOPFEU, tout en se gardant une espèce de pouvoir pour être plus sévère si on fait face à des circonstances particulières. Et on vient aussi réglementer les feux sur des sites de camping. Donc, par exemple, c'est 0,5 mètres de large, 0,5 mètres de haut, et on vient stipuler aussi les distances à respecter avec des différents bâtiments sur les sites des terrains. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je propose. Sandra, merci, je l'appuie. Merci beaucoup. 5.2, octroi de contrat, acquisition d'appareils de protection respiratoire isolant autonome APRIA et ses équipements INC-SP 2020-394. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire isolant autonome APRIA et ses équipements INC-SP-2020-394, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 30 septembre 2020, il est équipement incendie CMP maillé incorporé, entre parenthèses l'arsenal, au montant de 369 560 $, considérant l'article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes, qui permet à la Ville de négocier avec un seul soumissionnaire conforme afin d'obtenir un meilleur prix. Donc, lorsqu'on reçoit une seule offre de prix par appel d'offres public, la loi nous permet d'entrer en négociation avec le fournisseur. Considérant les négociations intervenues entre le soumissionnaire et la Ville, considérant qu'à la suite des négociations, les parties ont convenu que le prix soumis excluant les taxes applicables est de 306 540 $, il est, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise d'équipement incendie CMP Maillé Incorporé L'Arsenal, et ce, conformément à leur soumission modifiée reçue le 5 octobre 2020, au montant de 306 540 $. 306 540 $, pardonnez-moi, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-200-00-726, projet 2020-16, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt numéro 2021 et que l'emprunt soit remboursé selon les termes précisés au dit règlement, que la présente résolution est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2021 par le ministère des Affaires municipales et que l'habitation et de l'habitation est à l'entrée en vigueur de ce dernier. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Étienne Normand, je l'appuie. Merci beaucoup. 5.3. Autorisation de signature d'une entente d'aide mutuelle en sécurité incendie des municipalités de la MRC Rivière-du-Nord.
considérant que le 22 février 2012, les municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie signaient une entente d'aide mutuelle en sécurité incendie, de la MRC de la Rivière-du-Nord, permettant au service de sécurité incendie des municipalités composant la MRC de la Rivière-du-Nord d'avoir recours à des équipements et du personnel en cas de sinistre. Considérant qu'il y a lieu et qu'il est dans l'intérêt des parties d'actualiser l'entente existante afin de tenir compte autant des dispositions législatives apportées par la loi sur la sécurité incendie que de l'obligation du renouvellement du schéma de couverture de risque incendie de la MRC de la Rivière-du-Nord, adopté initialement le 29 avril 2016 par le ministre de la Sécurité publique, considérant que la Ville désire conclure cette entente d'aide mutuelle en sécurité incendie des municipalités de la MRC de la Rivière-du-Nord, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente d'aide mutuelle en sécurité incendie des municipalités de la MRC Rivière-du-Nord, d'abroger la résolution 149-04-2020. Et c'est bien sûr la mairesse suppléante qu'il aurait fallu que je dise. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais proposer. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci. 6.1. Autorisation d'entreprendre un processus de sollicitation dans le cadre de la conception du parc multisport Gaffney-Kennedy. Considérant qu'il est requis de procéder à la planification du futur site du parc multisport Gaffney-Kennedy, considérant que cette dépense n'est pas prévue au budget 2020 ni au programme triennal d'immobilisation 2020-21 et 2022, il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, des loisirs et de la vie communautaire, toute autre personne mandatée par ce dernier, à entreprendre le processus de sollicitation approprié dans le cadre de la conception du parc multisport Gaffney-Kennedy. Donc, il s'agit de faire une caractérisation du site, d'avoir un plan d'ensemble avec les données techniques qui va nous permettre de déterminer quels besoins. En fait, on a déjà une liste de choses qui peuvent être installées. Là, maintenant, il reste à savoir à quoi correspond le site, puis comment il peut accueillir différents projets qui vont être soumis là, dans le cadre des prochains mois. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Sandra, merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. 6.2. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. Autorisation de procéder à une demande de subvention, je viens de le dire. Donc, considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme de soutien des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale. Considérant les besoins financiers générés par la relâche hivernale et le camp de jour 2021, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et de la vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier, a présenté une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale du ministère de la Famille, et d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Donc, c'est une demande de subvention qui est récurrente. Ça permet de financer en partie les activités qui ont lieu pendant la semaine de relâche hivernale. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 6.3, renouvellement de la convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat Entente de développement culturel. Considérant le désir de la Ville d'accroître la participation citoyenne au développement culturel des collectivités. Considérant que la Ville a conclu une entente d'un an avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat résolution 493-12-19. Considérant la possibilité d'obtenir une prolongation de la convention du programme d'aide aux initiatives de partenariat Entente de développement culturel, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une prolongation de l'aide financière pour ses projets, à payer sa part des coûts admissibles et non admissibles, dont les coûts d'exploitation continue des projets visés, il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et de la vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à déposer une demande de renouvellement de subvention dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat Entente de développement culturel, ministre de la Culture et des Communications, d'autoriser le directeur du service des sports, des loisirs et de la vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Ici, on vise à venir subventionner tous les projets de signalétique là, qu'on entend mettre en place dans la prochaine année. Ça inclut murales et sculptures que me souffle à l'oreille la directrice générale. En proposition, s'il vous plaît. Sandra,
Sandra, merci. Je le propose. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 6.4, octroi de contrat, achat d'une motoneige LOI DP 2020-404. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une motoneige afin d'entretenir les sentiers où se déroulent les activités hivernales. Considérant que le directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire effectue une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Content.ca, La Pointe Sport, Claude Sainte-Marie Sport Incorporé. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. Content.ca, 15 190 $. Claude Sainte-Marie Sport Incorporé, 15 290 $. La Pointe Sport, 16 829 $92. Considérant la recommandation du directeur du service des sports, loisirs et de la vie communautaire, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Content.ca au coût de 15 190 $, excluant les taxes applicables et ce, conformément à leur offre de prix datée du 5 octobre 2020, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-700-0-726, projet 2020-97. Donc, le service des loisirs a fait un peu la tournée de projets qui se permettait de faire le traçage des pistes de ski de fond. Et toute autre chose là, qui pourrait être utilisée par la motoneige, on pense ici là, le fait de damer les sentiers pour le club équestre l'hiver, qui nous permettrait de multiplier les usages de ces sentiers-là. Donc, le service a fait une tournée et ont évalué quel motoneige, finalement, là, pourrait faire le travail. Au cours des 2-3 dernières années, on avait fait l'achat d'une motoneige usagée pour nous permettre de comprendre quelle était la source du besoin, plutôt quel était le besoin et quelles limites nous offraient ou quelles limites nous avions à franchir avec la machine que nous possédions. Les échos que j'en ai eus, c'est quand les gens ont pris connaissance de ce que nous avions pour tracer nos pistes de ski de fond, ils ne comprenaient pas comment on pouvait réussir à le faire. Donc, on nous a suggéré un type de machinerie qui est quand même intéressante puis qui va nous permettre de multiplier aussi là, le traçage des sentiers de ski de fond dans l'éventualité où nous aurions un hiver difficile en matière d'activité sportive de groupe. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Étienne Aubin, je vais le proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 7.1. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide au financement des infrastructures culturelles. Considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme d'aide au financement des infrastructures culturelles. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Considérant que la Ville s'engage à, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé. Considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide au financement des infrastructures culturelles, ministère de la Culture et des Communications, d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Donc, c'est dans le cadre du projet de succursale et préalable de la deuxième bibliothèque là, qu'on envisagerait de situer au coin Montéfilion, Monté-Saint-Nicolas. Cette demande de subvention peut couvrir jusqu'à 70 % des coûts de construction. Des coûts admissibles. Si vous faites bien de me corriger. Donc, des coûts admissibles, c'est quand même très intéressant, puis on va tenter notre chance à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Bien, Normand, je vais le proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Ça nous amène à la période d'intervention du public. Donc, si vous ne l'avez pas fait durant la procédure, durant plutôt l'Assemblée, vous nous envoyez vos questions à partir de la page Facebook en vous nommant et en indiquant la rue sur laquelle vous habitez et nous accueillons toute question d'intérêt public à l'endroit du conseil municipal. Donc, la parole est à vous. Bien, bonsoir. J'espère que vous êtes prêts. On a plusieurs questions ce soir. La première nous venait de Guillaume Désert, rue du Havre, qui se demandait pour l'Halloween, mais si je ne me trompe pas, vous avez répondu à cette question dès le début de la séance, Monsieur le maire? Oui. Parfait. Donc, si je peux me permettre, par exemple, je peux aller un petit peu plus en profondeur. Donc, bien sûr, la Ville a un pouvoir de suggestion. Donc, c'est ce qu'on essayait de faire l'an passé avec plus ou moins de succès, quand on voulait étirer l'Halloween sur 2 jours et vouloir un peu prolonger le plaisir. Les gens en ont compris peut-être un peu autrement.
Mais cette année, passer l'Halloween, c'est un geste individuel, hein, c'est un geste privé. Donc, la Ville n'entend pas nécessairement se mêler de ça. On va être à l'écoute de la santé publique. Ce que nous, on compte faire, à moins de se faire dire le contraire, là, par la santé publique, c'est d'organiser des distributions de bonbons sur plusieurs sites publics. Donc, je ne vous en dis pas plus à ce titre-là, mais sachez que l'équipe des loisirs travaille sur un projet qui nous permettrait de se joindre à la fête, dans la mesure où les règles de santé publique sont respectées, bien sûr. Merci. J'avais une seule question qui nous a été envoyée par courriel de M. Mario Huot de la rue du Beaulieu. Il demande « La Ville ne veut pas aménager les terrains donnés par le développeur pour frais de parc sur la rue des Grands Pics. Alors pourquoi ne les vend-elle pas pour des constructions? Ils sont assez grands pour satisfaire aux normes. Ce secteur est très en demande et la vente pourrait générer de gros revenus à l'achat et en taxes. Merci. » Ah, c'est une bonne question, M. Huot. De par la connaissance de certains terrains, là, je ne prétendrai pas que je connais la réalité de tous ces terrains-là. Faut savoir qu'il y en a qui sont quand même difficilement constructibles. On parle de milieu humide avec bande de protection milieu humide dans un contexte ou un relief géographique particulier. Je ne sais pas, Mme Dorèche, je sais que vous aviez fait une tournée là, de ces différents terrains-là tout au cours du mandat et on s'en fait reparler fréquemment. Je pense que dans la mesure où, en effet, ça peut être constructible, ça devrait être envisagé. Mais en même temps, moi, les infos que j'ai, c'est que c'est pratiquement impossible d'en aménager un parc. Donc, je verrais très mal l'idée de pouvoir aménager une propriété là-dessus. Mais à tout le moins, le scénario mérite d'être étudié. Puis comme vous avez entendu, si vous êtes à l'écoute ce soir, au niveau de la procédure de vente de terrain, là, M. Laurent Taillefer en a décrit un peu la procédure. Donc, la décision du conseil, c'est de décider si il est d'intérêt public de vendre ce terrain-là. Donc, à partir de là, c'est un peu un système d'appel d'offres et on vend au plus offrant. Mme Dorèche, j'ai vu que vous vouliez peut-être prendre la parole. Est-ce qu'on parle de la rue des Grands Pics? Exactement. Oui, en fait, ça, c'est un terrain qui est complètement rocailleux. Il n'y a rien à faire à ce terrain-là. Là. On l'avait marché et tout. Là. Et on ne peut même pas faire un parc, on ne peut même pas faire une construction, en moins dynamisée, dynamité. Fait que, non, c'est ça, on a déjà parlé. Ce n'est pas la première fois que j'en parle non plus. Là. Fait que, il n'y a pas grand-chose à faire avec ce parc-là. Puis c'était dans le temps l'entrepreneur qui avait cédé cette... ce terrain-là, la ville, là, mais c'est pas un beau terrain du tout. Merci. J'ai ensuite une deuxième question de M. Guillaume Désert de la rue du Havre qui demande « Est-ce que la ville dispose d'un programme de reboisement, distribution d'arbres d'une certaine grandeur, pas des boutures, un peu comme dans d'autres villes pour les propriétaires de terrain? » Monsieur Désert, si je crois comprendre la question, c'est que à l'exception d'une naissance à un arbre qui avait lieu il y a quelques années, où là, la dimension des arbres était un petit peu plus importante, il n'y a pas de programme de reboisement en tant que tel. C'est pas une orientation qui a été prise par ce conseil-ci. Bien sûr, vous êtes assurément au courant qu'à chaque année, on faisait une distribution d'arbres de plus petit calibre. Cette année, on n'a pas pu la faire parce que les pépinières provinciales ou les différentes pépinières qui s'organisaient à produire ces arbres-là ont décidé de ne pas les distribuer à cause du contexte du COVID, ce qui nous a empêché d'avoir accès à ces arbres-là. Mais en termes de gros calibre, pour l'horticulteur de profession que je suis, ne conseille pas toujours de planter du gros calibre. Souvent, ces arbres-là n'ont pas une croissance très rapide et c'est souvent plus profitable de planter des arbres à plus petit calibre. Il y a un enracinement général qui finit par se faire et au bout de quelques années, la croissance de ces végétaux-là est plus importante que si on achetait des gros calibres. Donc, j'ai mélangé un peu mes compétences d'horticulteur à mon rôle de maire. J'espère que la réponse vous convient. Mais concrètement, là, s'il y a un programme d'arbres de gros calibre, la réponse, c'est non. Merci. La prochaine question nous vient de Mme Diane Morissette sur le chemin de la rivière du Nord. Elle dit « Bonsoir, Monsieur le maire. J'aimerais vous exposer mon problème qui perdure depuis le mois de juillet 2020. Nous avons eu un blocage d'eau d'un fossé alimenté par trois rues sur la rue Péridot.
Cette eau s'est déversée sur une partie de mon terrain, voisinant nouvellement le promoteur, M. Lapierre, qui a élevé son terrain. Cette eau ne peut plus être évacuée naturellement. Maintenant, j'aimerais que vous exigiez à M. Lapierre qu'il pose un drain pour évacuer cette eau stagnante, qui s'est infiltrée dans mon puits de surface et qui me cause des problèmes de santé, abaissement de mon terrain et quelques arbres, et cause des dégâts à mon champ d'épuration. Est-ce que Mme Parent, vous voulez répondre? Je sais que vous êtes déjà en communication avec Mme Morissette et que vous aviez établi une procédure avec elle. Moi, j'ajouterais que, Mme Morissette, nous recevons votre commentaire avec grande ouverture. J'espère toutefois que c'est le vôtre et que ce n'est pas quelqu'un qui vous pousse à générer des problèmes à la Ville. De ce que j'en comprends, si c'est un problème privé, malheureusement, la Ville ne peut s'en mêler, mais je crois que, Mme Parent, vous avez partagé une très grande ouverture de l'administration et que si nous pouvions faire quoi que ce soit, vous n'aviez qu'à communiquer avec Maître Parent. Maître Parent, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, bien, en fait, j'ai eu plusieurs discussions là, avec Mme Morissette. Elle est au courant de la situation. Il y a eu des certificats d'autorisation qui ont été délivrés pour ces terrains-là. Fait que dans la mesure où les travaux sont faits correctement, là, nous, la Ville, là, on n'a pas d'intervention là, qui est faite présentement. Par contre, on suit la situation et on regarde là, ce qui se passe sur le terrain. Puis j'invite Mme Morissette à me contacter comme on le fait. Là, je communique régulièrement avec elle pour savoir comment ça se passe physiquement sur les lieux. Je pense nous sommes, si je peux ajouter, Mme Parent, je pense que nous sommes une administration qui savons reconnaître les erreurs du passé, qui savons reconnaître notre responsabilité lorsque c'est le cas. Toutefois, on ne peut pas prendre la responsabilité lorsque nous ne sommes pas convaincus que c'est la nôtre. Et en ce sens-là, il faut faire la distinction. Mais ça nous fait toujours plaisir de promulguer des conseils puis d'aider à la résolution de conflits. Merci. La prochaine question est de Steven Coulard. À l'instant, j'aimerais intervenir, Dany Beauséjour, conseiller du district numéro 6. J'ai des éclaircissements à dire là-dessus. Je trouve ça ordinaire la réaction du maire. Je vois ça en mauvaise foi de penser que je veux passer mes commentaires par ma citoyenne de mon district. OK. On va mettre les choses au clair. Ça fait 40 ans que la ville déverse ses eaux illégalement sur le terrain voisin de la dame en question. Le promoteur du terrain, M. Lapierre, a eu le droit de remblayer son terrain dans ses droits, mais la Ville a omis de demander que le drainage des eaux se fasse naturellement. Et quand on a autorisé le remblai, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bloqué l'écoulement naturel des eaux. Et ça, on ne peut pas faire ça en construction. Quand on construit une maison neuve, on se doit de respecter nos voisins qui sont peut-être déjà bâtis, de respecter l'écoulement naturel des eaux. Ça va dans toutes les municipalités du Québec. C'est pas de quoi être propre à Saint-Colombin. Et ça n'a pas été fait dans ce cas-là. Et non seulement le remblai a-t-il été fait, mais juste à côté, la Ville a une servitude pour drainer un autre problème d'une autre fois un petit peu plus haut, la rue de la Rochelle. Fait que la Ville s'est pris une servitude, mais la servitude de la Ville, c'est aussi du remblai dans lequel ils vont faire un fossé en surface. Et qui dit remblai pour faire cet ouvrage-là, dit également blocage de l'eau du terrain de Mme Morissette. La Ville non plus n'a donc pas prévu de faire un drainage souterrain pour conserver l'écoulement naturel des eaux. Juste un instant, M. Beauséjour. Au bilan, est-ce que, aujourd'hui, juste un instant, est-ce que j'ai compris que vous mentionnez que la Ville fait le remblai? Est-ce que c'est ça que j'ai compris? Non, la ville a besoin du remblai pour construire son ouvrage de gestion des eaux de la rue de la Rochelle. Mais c'est pas la Ville qui effectue le remblai. Je pense qu'il faut corriger ça. La Rivière-du-Nord. Et pour ça, ça doit se faire dans un remblai plus élevé. Marais par lequel ça passe. Mais ça, pour faire ça, là, il faut se déplacer sur le terrain pour aller voir directement. Ce que j'ai fait à plusieurs reprises, dernièrement, dans les dernières semaines. Et aujourd'hui même, je suis en mesure, à cause de la pluie qu'il y a eu, puis à cause du pompage qui a été fait dernièrement, le niveau d'eau avait beaucoup baissé, mais pas assez à comparer son niveau originel. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré le pompage qui a été fait en fin de semaine dernière, à cause de la pluie d'aujourd'hui, le niveau s'est mis à remonter. Fait qu'on a eu la réponse définitive à notre questionnement de se dire est-ce que l'eau va finir par rentrer dans le sol puis s'évacuer naturellement juste par l'eau de pluie, par l'apport d'eau de pluie? La réponse est non, clairement. Et ça démontre qu'anciennement, l'eau circulait de gauche à droite depuis la dernière glaciation du Québec. L'eau pouvait s'écouler d'est en ouest sur ce terrain-là. Et puis, ben, depuis quelques mois, ce n'est pas le cas. Et là, ça cause des dommages.
sérieux, ça cause des préjudices à la citoyenne. Et c'est en ce sens-là que la situation n'est pas prise au sérieux, devrait être prise avec une situation d'urgence. Juste un instant, parce que comme conseiller municipal, là, vous faites des drôles de commentaires. Là. Vous avez dit que c'était illégal. Vous prenez parole au nom de la conseillère municipale pour dire que c'était un préjudice sérieux. Donc, vous nous faites encore la démonstration que vous, dans le fond, vous prenez ce dossier-là, vous générez des problèmes alors qu'il y a communication entre la citoyenne et la directrice générale. Puis, vous me corrigerez si j'ai tort, là, mais qui a effectué le pompage la semaine dernière? Est-ce que c'est M. Lapierre? Est-ce que c'est le propriétaire du lot voisin? C'est le propriétaire du lot. Donc, qu'est-ce que la ville a à voir là-dedans? La ville à avoir là-dedans, c'est que, si vous allez voir les plans, okay, il y a une partie du Remblai qui est destinée à recevoir un ouvrage technique de la ville de Saint-Colombin. Mais le Remblai, là, vous allez être d'accord avec moi que c'est un Remblai qui a été autorisé par le ministère de l'Environnement par le fait de démettre un certificat d'autorisation. Donc, la situation là, dans laquelle Mme Morissette se trouve, là, c'est entre elle et Mme et Monsieur et le propriétaire du lot voisin là, par l'entremise de M. Lapierre. C'est exact? Non, pas nécessairement, parce que si M. Lapierre fait son tuyau jusqu'à la servitude de la ville puis qu'il l'arrête là, ben c'est la servitude de la ville finalement qui va venir bloquer l'écoulement naturel des eaux. Et de la manière que la ville s'est entendue avec M. Lapierre pour faire le remblai et faire la gestion de l'eau de la ville de La Rochelle, techniquement, si la ville n'a pas prévu de drainage de l'écoulement des eaux naturelles, ben la ville va être automatiquement faussée. Et pour l'instant, je ne vois aucun drain nulle part d'installer qui permettent l'écoulement naturel des eaux. Mais la ville ne peut pas être tenue responsable de l'écoulement naturel des eaux d'un propriétaire qui n'est pas le sien. Je crois qu'on a, nous avons un règlement à l'interne. Juste un instant. Je crois que nous avons un règlement à l'interne qui empêche les gens de faire l'écoulement de leurs eaux sur les terrains voisins. Fait qu'en ce sens-là, nous sommes dans une situation de conflit privé pour lequel ça va nous faire plaisir, d'intervenir, mais de conseiller les deux parties. Non, c'est pas comme ça que la réglementation marche au Québec. Au niveau de l'écoulement naturel des eaux, quand vous arrivez pour construire une nouvelle construction, vous ne pouvez pas bloquer du jour au lendemain l'écoulement naturel des eaux. Si votre terrain s'écoutait vers la gauche, si votre voisin arrive avec un mur de terre de 6 pieds de haut, ben vous ne pouvez pas juste dire aux gens, ben remblaye-toi toi aussi ton terrain, il va t'écouler à la rue. Okay? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut garantir la libre circulation de l'eau sur place, comme elle se faisait anciennement. Puis, M. Beauséjour, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à Mme Morissette de nous poser une question ce soir? Je l'ai invité à prononcer ses questions au Conseil de ville pour que tout le monde puisse l'entendre, parce que c'est son droit. D'accord, merci. La prochaine question est de M. Steven Couillard de la rue Stella. Il demande, pouvez-vous m'informer sur les développements au bout de la rue Séguin? Il semble y avoir de l'arpentage. Merci. En fait, c'est un projet au bout de la rue Séguin et Sylvie. Le promoteur, à l'époque, avait déposé un projet qui a été reconnu comme étant possible d'être fait, mais nous n'avons pas plus de détails au niveau de l'urbanisme. Je ne sais pas, Maître Parent, si... À l'époque, il y a eu un plan projet qui a été déposé là, avant l'entrée en vigueur de l'orientation 10, donc avant ou septembre 2018. Donc, le promoteur serait en plein droit de pouvoir développer ce territoire-là là, en fonction d'un projet serait alimenté là, par le projet d'aqueduc existant là, qui dessert Bédard et Stella notamment. Donc, si le projet est en arpentage, là, c'est en fonction des... Il est tout à fait permis de le faire. Là, maintenant, à quelle étape il est rendu, certainement, on pourrait vous revenir. Là, je vais essayer de vous revenir le mois prochain. Là, je vais avoir une rencontre avec le service d'urbanisme pour me faire une mise à jour à cet effet-là. Merci beaucoup. La prochaine question vient de Julien Belvisi de la Côte-Saint-Nicolas. Il dit « Bonsoir au conseil. Notre entrée est dans un virage et chaque sortie est dangereuse, considérant la vitesse à laquelle surviennent les véhicules. » Serait-il possible, comme pour d'autres virages, de procéder à une analyse pour implanter un panneau de signalisation de type sortie cachée? Merci d'avance pour votre réponse. Madame Dorèche, est-ce que vous avez pris ça en note? Là? Si je crois connaître ma ville de la bonne façon, c'est une maison qui est tout près du Bois dormant. Est-ce que M. Dalhousie peut nous confirmer ça? C'est, je crois, un peu avant, là, entre la rue
Doris Moi, j'ai ou le Da. 605 sur Saint-Nicolas. 605, donc on serait peut-être plus vers Saint-Jérôme. Mais en tout cas, on va Monsieur prendre. Pardon? Monsieur Lalonde, Oui. je pense que c'est proche de la rue des Primeroses. Ah, ce serait davantage dans l'autre côté. Donc, ça vous concernerait, Mme Wilson. Tout à fait, je l'ai déjà pris en note. Excellent. Donc, Mme Wilson, M. Dalhousie va faire un suivi. C'est des demandes qui sont assez simples à régler si nous avons le panneau en question. Là. Si jamais il n'y a pas de fermeture au niveau du service des travaux publics, c'est simplement le délai de commander le panneau si jamais il y a encore un budget disponible. Ah, M. Lorrain. OK, donc c'est entre Primrose et Rudolph. Vous aviez raison, cher collègue. Merci beaucoup. La suivante vient de Pierre-Olivier Lemieux sur la rue de l'Épée. Est-ce possible d'avoir le choix des médailles pour les chiens entre une médaille en métal ou en plastique, comme c'était avec Inspecteur Canin avant? Celle de métal fait beaucoup de bruit. Merci. Nous avions bien réfléchi à cette question, Mme Lapointe. Je pourrais faire appel à votre mémoire sans faille, si vous le désirez. Mais nous avions fait un choix en métal, c'était pour la durabilité de la médaille, étant donné qu'on offrait maintenant des médailles 3 ans. Puis, Mme Lapointe, vous intervenez quand bon vous semble là-dessus. Toutefois, il n'y a rien qui vous empêche là, de vous procurer une médaille en plastique, mais c'est important d'avoir la médaille en métal. Puis sur la médaille en plastique, vous pouvez toujours copier les informations. Je pense que c'était un peu le consensus sur lequel on était. C'est le consensus qu'on avait obtenu dans la mesure où on recevrait, pardonnez-moi, des demandes de la sorte. Mais pour nous, là, on a reçu une numérotation des médailles déjà. Les médailles sont déjà commandées, donc il n'est pas question qu'on change de modèle, mais il y a des possibilités là, qui peuvent vous acclimater davantage. Puis ça vous concerne dans votre maison. Nous, l'important, c'est d'avoir l'information, puis que vous soyez enregistré. Puis nous, après, Monsieur on donne Lalonde, la médaille. Oui, Mme Lapointe, allez-y. Si je peux me permettre, oui. C'est ça. Effectivement, que ça fait du bruit pour avoir un chien, moi aussi, à la maison. Effectivement que ça fait du bruit, le gling-gling de la mode médaille, parce que c'est celle de la ville, c'est celle du vétérinaire, c'est celle... Bon. Rien ne vous empêche d'installer une médaille de plastique avec votre numéro. Là, ça se fait un peu partout. Là, je ne vais pas nommer des différents commerces, mais c'est possible de faire une médaille de plastique avec vos coordonnées. Et puis, la médaille de la ville, simplement la garder dans vos... En autant que le chien soit bien identifié, parce que l'idée, c'est de bien identifier le chien pour que si jamais il sauvait pour une raison quelconque, parce que ça arrive, bien, au moins, c'est possible d'identifier le chien, de savoir d'où il vient, de pouvoir rejoindre le propriétaire. Puis ensuite, bien, en prouvant que vous avez votre médaille de la ville, bien, vous n'aurez pas l'amende qui vient avec. Donc, mais la médaille de métal était plus durable. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons une question de M. Rémi Robitaille de la rue Sylvain. Demande, y a-t-il du développement au niveau des services sanitaires au centre de la ville? Ouais, si je pouvais, je demanderais plus de précision. Ah, oh, au niveau de l'égout. Oh, merci, merci, M. Laurent Taillefer. On est encore en étude d'analyse. Je crois que le service d'urbanisme a rencontré la firme d'ingénierie qui est en train de faire l'étude de faisabilité pour établir un peu les paramètres là, à l'étude, mais on en est là. À moins que vous avez quelque chose que je ne sais pas, M. Laurent. En fait, c'est exactement ça, M. le maire. Il y a eu une rencontre qui a été faite avec le service de l'aménagement et de l'urbanisme. Puis, ils sont en train d'étudier différents scénarios. Puis, ça devrait sortir vers le mois de décembre, là, tout ça. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, nous avons une question de Mme Ginette Farran de la rue Séguin, qui demande « J'aimerais savoir si on peut avoir une poubelle à côté des casiers postales au lieu que le monde jette leur papier par terre. » À l'époque, quel est le nom de la citoyenne? Madame Ginette Farran de la rue Séguin. Donc, Madame Farran sur la rue Séguin, j'espère que vous trouvez agréable la refonte de votre rue qui a demandé tout un travail d'ingénierie puisque... La fondation de cette rue-là datait probablement du Moyen Âge, si on se fie à ce qu'ils ont trouvé. Donc, maintenant, pour les boîtes aux lettres, faut savoir qu'auparavant, c'était financé par un programme offert par Tricentris, justement, pour améliorer le recyclage et tout ça. Ce programme-là n'existe plus, puis je pense qu'il y a eu un souhait exprimé dans les mois passés de la part du Conseil, exprimé notamment par M. Beauséjour, que... Le besoin de générer des contenants générait aussi un certain entretien
Donc, c'est peut-être pratique d'avoir des poubelles à proximité, mais c'est les employés de la ville qui avaient à les vider et changer les récipients puis tout ça. Donc, on a davantage privilégié la responsabilisation citoyenne. Puis c'est pas un gros geste de prendre les papiers puis de le mettre dans son propre recyclage. Il faut voir tous les tenants aboutissants de ce que ça crée comme besoin et service lorsqu'on fait ça. Et ce n'était pas dans l'intention du Conseil dans les prochaines années de poursuivre et de financer là, à 100% l'installation de ces bacs-là. Merci. J'ai une deuxième question de Mme Farran qui demande « L'asphalte vient d'être refait sur la rue Séguin et on a juste un dos d'âne. Ça aurait été bien d'en avoir plus sur toute la rue car ça ne fait pas diminuer la vitesse. Merci. » Est-ce que Mme Mercier, vous avez pris ça en note? Oui, en effet. Je viens juste de prendre ça en note. Donc, je vais faire la demande pour l'an prochain. On est à repenser où mettre les prochaines bosses de ralentissement. Donc, peut-être contacter Mme Farran, de faire une petite visite terrain, puis de prendre connaissance de la problématique. Puis, comme Mme Mercier vient de mentionner, là, on est à établir la liste de la future installation des bosses de ralentissement. Malheureusement, on ne peut pas en mettre aux 30 pieds, hein, il faut être réaliste. Je pense que c'est d'abord et avant tout un problème de civisme, surtout pour des rues résidentielles. Là. C'est tous nos voisins qui font des excès de vitesse, ou nos voisines, parce qu'il ne faut pas exclure la parité dans les problèmes de circulation sur le territoire. Donc, en ce sens-là, il y a un travail certainement de prévention, mais dans des situations qui sont problématiques, là, je pense qu'on l'a démontré dans les deux dernières années, là, on n'a pas hésité à mettre des moyens physiques pour essayer de ralentir la circulation. Donc, je m'attends à ce que Mme Mercier vous contacte et prenne connaissance de la problématique. Merci. Ensuite, j'ai une question de M. Jean-François Fontaine sur la rue Gilbert-Garreau qui demande « Qui est le responsable du nettoyage des ponceaux? » Oh! Oui, c'est ça. En fait, les ponceaux de rue, c'est assez facile, là. C'est la ville. Mais les ponceaux d'entrée Chartière, vous avez une responsabilité individuelle puisque c'est à vous le ponceau. Hein. Vous avez demandé un permis, puis c'est vous qui deviez l'avoir payé. C'est pas vous qui l'avez payé, c'est le promoteur à l'époque. Donc, vous avez une certaine responsabilité dans son entretien. Ceci dit, quand il y a une problématique majeure, la ville intervient. Est-ce que vous voulez le mentionner, Maître Parent? En fait, quand c'est du nettoyage, c'est une chose. Puis quand c'est du reprofilage, bien là, faites une demande au niveau là, des services des travaux publics. Merci. La prochaine question, je tiens tout d'abord à m'excuser pour la prononciation du nom de famille. La question vient de Karim R. Reguette de la rue Bonnybrook. Est-ce que vous pouvez rendre le dessin sketch pour le supposé projet camping que vous avez reçu en décembre 2019, s'il vous plaît? En fait, c'est une bonne question, puis on l'a entendu à plusieurs reprises. Il faut savoir que ce dessin-là, c'est pas nous qui sommes propriétaires de ce dessin-là. Donc, c'est à la propriété du promoteur, donc M. Gilles Garreau. Si je ne m'abuse, il avait été publié dans un journal local à l'époque, mais nous n'avons pas la permission de le transmettre aux citoyens. Puis on avait reçu seulement une copie papier, si je me rappelle bien. Donc, si vous voulez avoir une copie, c'est plus... probablement plus pratique de faire la demande à M. Garreau directement. Merci. Si nous étions propriétaires, nous pouvions peut-être, on peut évaluer les choses, mais le fait que ça ne nous appartient pas, on n'a pas la possibilité de le transmettre, malheureusement. D'accord. La prochaine question est de José Pagé, rue du Domaine des Sources, qui dit « Bonsoir, je me demandais pourquoi vous refaites des rues quand ma rue n'est même pas du tout asphaltée. De plus, sur ma rue, vous avez tout retiré les arbres pour faire des ponceaux. Puisque vous avez abandonné le projet pour une raison qui m'échappe, allez replanter des arbres pour reconstruire ce qui a été retiré, puisque cela fait partie de vos règlements municipaux de ne pas retirer d'arbres. Sain. C'est dommage car ça enlève beaucoup à notre rue, qui est une rue avec que des nouvelles constructions. Je suis déçue de tout cela et j'attends toujours l'installation de lampadaires demandés l'an passé. Merci de faire suite. » Est-ce que, Mme Mercier, vous avez pris en note cette requête-là? Je peux peut-être débuter la réponse et vous compléterez. Là. En fait, la rue du Domaine des Sources, là, c'est une très vieille rue là, sur le territoire de Saint-Colomban. Et suivant une succession ou un transfert de propriétaire à l'époque, là, il y a eu la possibilité de construire des maisons neuves
sur une rue qui avait davantage l'apparence d'une trail que d'un chemin. Et ça, ça arrive souvent sur nos territoires, là, principalement dans les vieux quartiers. Monsieur Urbain peut assurément témoigner comme conseiller municipal du district 1. Maintenant, les obligations qui liaient la ville à l'époque de la signature de ce projet-là, je ne les connais pas par cœur. Je me rappelle être arrivé en poste lors de la transition. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre connaissance de ce qui s'est fait à l'époque. On va regarder ce qui peut être fait ou c'est quoi la responsabilité de la ville dans ce dossier-là. Soyez certaines que si on a une responsabilité, on va l'assumer, mais je crois en douter, mais je vais avec sagesse aller valider ma position d'abord. Et pour ce qui est du lampadaire, Mme Mercier, ou si vous voulez ajouter quoi que ce soit, là, je sais qu'on avait déjà été sollicité dans le passé pour ça, donc si vous avez un élément de réponse, allez-y. Oui, j'ai pris en note la requête de Mme Pagé, puis je lui ai déjà répondu dans le passé. La requête est déjà faite pour le lampadaire, donc on attend les prochaines installations. Là, si vous avez des réponses, M. le maire, le temps. Absolument. Merci, Mme Mercier. C'est certainement, ça va être dans les prochaines discussions. Là, on rentre dans les discussions de préparation budgétaire. Puis assurément, le budget au niveau de l'ajout de lampadaires va être augmenté cette année, là, parce que nous avons quelques demandes en suspens et on a une responsabilité d'y répondre. Et je suis convaincu que Mme Mercier saura bien défendre vos intérêts lorsque nous arriverons aux discussions concernant ce poste budgétaire-là. La prochaine question vient de M. Larry O'Shaughnessy de Bunnybrook, qui demande « Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire une mise à jour du statut du projet de camping sur le site de l'ex-golf Bunnybrook? » Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'ai pu dire lundi ou en début de séance. Je pense que de répéter le fait que M. Garreau est venu déposer un dessin en décembre et qu'il y a eu rencontre avec un professionnel et le service d'urbanisme en même temps que le dépôt de ce dessin-là. Suivant ça, il y a eu une communication écrite de la part de la Ville envers les professionnels de M. Garreau, pour lequel nous attendons toujours une réponse. Après ça, je veux dire, il y a des éléments qu'il y a eu dans cette lettre-là, je ne l'ai pas vu, là, c'est des éléments techniques en matière d'urbanisme. Donc, nous, on n'a pas eu de réponse. Donc, à ce titre-là, le projet n'est pas nécessairement dans notre cours. Notre travail, toutefois, là, c'est de s'assurer que peu importe ce qui arriverait sur les différents terrains, les différents zonages C4, je pense que notre souci, là, c'est de limiter les conflits d'usage entre la zone résidentielle et les futurs usages permis au niveau du C4. À partir de là, je ne peux pas dire des choses que je ne sais pas. Je voudrais juste prendre la parole pour rajouter un petit point. J'aimerais ça qu'on utilise les bons termes. Ce n'est pas un croquis, ce n'est pas un sketch, ce n'est pas rien. Ce n'est pas un dessin non plus. Ce n'est pas une affaire d'enfant fait sur un bout d'un. C'est un plan qui a été déposé. On appelle ça un plan en urbanisme. Le plan, là, moi, je l'ai demandé à la Ville pour prendre les bonnes décisions vis-à-vis de la modification du règlement qu'on voulait faire. J'ai demandé le plan à la Ville. On ne me l'a pas fourni. On me dit comme raison, la même raison qu'on a donnée aux citoyens tantôt, parce que le document appartenait à M. Garreau. Les conseillers municipaux, on va demander de voter sur un changement de réglementation concernant l'usage des campings qui vient après le dépôt du projet, du plan en question de M. Garreau. Et on va me faire croire en même temps que tout ça est juste un add-on. Non, je pense pas. Ce plan-là, finalement, je l'ai vu parce que je l'ai demandé dernièrement à M. Garreau, parce que je voulais avoir un petit peu la vraie version, la vérité, sur savoir qu'est-ce qui avait été déposé le 19 décembre dernier. Comme je n'ai pas pu l'avoir de l'administration municipale, je suis obligé de la demander directement à la personne concernée. Puis, je vais en profiter aussi du fait que tantôt, on m'a dit « Ah, c'est votre ami. » M. Garreau, là, je n'ai jamais pris un souper avec, je n'ai jamais pris une bière avec. M. Garreau, c'est une relation professionnelle parce qu'on était dans le même domaine dans le golf avant, parce que je gère un terrain de golf aussi. Là, ça fait déjà un petit bout de temps que M. Garreau gère plus un golf. M. Garreau, c'est un citoyen de Saint-Colomban. M. Garreau possède un terrain. Et que là, moi, je ne vois pas de conflit d'intérêt là-dedans. C'est un citoyen comme les autres, puis je vais traiter à part égale, comme je ferais avec n'importe quel autre citoyen.
OK? Fait que le conflit d'intérêt n'existe plus du moment qu'il nous perd plus de golf. Fait que je vais inviter le maire à éviter de prononcer ce genre de choses-là. Parce que sinon, moi, je vais être capable aussi de pointer où est-ce qu'ils sont les conflits d'intérêts. Si je demandais au maire de ne plus parler à personne, parce qu'il connaît plein de gens dans la ville, ben, je trouverais ça un petit peu absurde. Mais aujourd'hui, j'ai appris que demander directement à M. Garreau de ne plus me parler. Fait que là, on est rendu là-dedans. Non seulement il a demandé à M. Garreau de ne plus me parler, il a demandé aussi à des conseillers de ne plus me parler. Fait qu'à un moment donné, le contrôle d'information dans un pays libre, ça a ses limites. Je pense j'espère que le maire va intervenir là-dessus sur son attitude et son comportement. Je pense que vous faites... pour les mois à venir. Si vous me permettez, M. Beauséjour, je pense que vous faites des accusations particulières aussi. Là. Je pense que depuis les deux dernières années, là, vous avez vous-même effrité la confiance que les membres du conseil municipal avaient envers vous. Je crois que ce que vous venez de mentionner au niveau de la relation professionnelle avec M. Garreau, il y a plusieurs éléments durant les deux, trois dernières années qui nous ont amenés à douter de votre loyauté envers la ville. Ça, c'est une prérogative du conseil municipal. C'est une prérogative de prudence pour laquelle je vous invitais, je vous ai invité et je vous invite encore à faire preuve. Quand vous nous dites que vous contactez un propriétaire pour avoir accès à un projet, ça vient forcément influencer votre capacité à prendre une décision sur le vote que vous avez en matière de règlement qui doit s'appliquer à l'entièreté du territoire. Donc, c'est très imprudent d'orienter vos réflexions et les décisions à prendre en fonction d'un projet particulier, chose que chaque membre du conseil peut témoigner n'avoir pas fait. Là, vous, en vous permettant de vous faire influencer par un projet concret, vous venez et vous me permettez de douter que vous travaillez. Il y a une notion en matière de code d'éthique qui ne permet pas à travailler pour les intérêts indus de quelqu'un. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais il est permis de douter et je crois que c'est les membres du je crois que c'est la prérogative des membres du conseil de faire cette démarche-là et de réfléchir à cela. Ceci dit, depuis deux ans, j'ai arrêté, j'ai travaillé à trouver un compromis et un consensus parce que ça fait longtemps que j'ai des demandes des membres du conseil d'arrêter de vous voir mêler à ce dossier-là parce que ça rend les gens mal à l'aise. Le problème dans ce malaise-là, c'est qu'il est ressenti par d'autres membres autour de la table qui permettent de ne pas considérer le meilleur contexte dans une prise de décision. Puis les éléments qu'on est en train de vivre actuellement tendent à démontrer que le conseil a fait preuve de sagesse en ne vous tenant pas informé de tous les faits et gestes dans le dossier qui nous amène ici. Encore une fois, je pense que dans l'expression et dans les commentaires que vous avez faits, vous êtes en possession d'informations que moi-même, je n'ai pas. Donc, pour moi, d'avoir un conseiller municipal qui se fait le porte-voix d'un citoyen, d'un individu, ça ne se rapporte pas à la prudence qui doit incomber dans nos fonctions. Et c'est mon travail de protéger l'intérêt public par rapport à ce genre de pression-là. Donc, là, depuis le début de la séance, vous m'avez accusé de mauvaise foi, vous m'avez accusé de brimer la liberté d'expression. Moi, mon rôle, là, c'est de présider un conseil, c'est de travailler à l'équilibre. Si j'ai des gens qui me demandent que vous ne participiez plus aux discussions entourant un projet, mon rôle, c'est de le faire appliquer et de m'assurer que l'intérêt de la ville est bien protégé. En ce sens-là, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Vous avez le droit de poser des gestes, absolument. Est-ce que ce sera aux gens et à l'administration à déterminer si, et au conseil municipal à déterminer si c'est dans l'intérêt de la ville que vous les posez? Je pense que les choses qu'on a entendues depuis deux, trois ans, moi, me permettent de douter et je crois comprendre que d'autres membres du conseil municipal ont douté de votre loyauté. En ce sens-là, que ça ne fasse pas votre affaire, je pense que sincèrement, là, c'est mon dernier souci, parce que mon premier souci, là, c'est l'intérêt commun, puis c'est le bien de la communauté, en fonction de prendre des décisions qui ne sont pas teintées. Si je prends tout le processus décisionnel dans lequel on a été mêlé depuis le début dans ce dossier-là, il y a une tendance, c'était que vous défendiez toujours un intérêt qui était à l'avantage de quelqu'un au détriment des positions de la ville.
Puis quand vous m'avez, au départ, blâmé sur le fait qu'il n'y avait pas eu de processus qui avait été entamé avec le propriétaire ou le promoteur parce que nous étions en conflit ou en processus juridique, là, je pense ici à cour d'appel et cour suprême, c'est selon l'avis fortement recommandé des procureurs de ne pas initier aucune discussion tant que le processus judiciaire n'était pas terminé pour ne pas mettre en danger les intérêts de la ville. Et l'histoire nous a démontré que nous avions raison puisque nous avons gagné à la cour d'appel et que ça a été reconnu en cour suprême. Maintenant, vos attaques personnelles à mon égard, je les prends, je suis capable de vivre avec ça, mais ne sous-estimez pas mon rôle de poser, de décider en fonction de la majorité du conseil. Et ce rôle-là, je le prends très au sérieux. Merci beaucoup. Ça, je vous l'accorde. Vous avez toute la majorité qu'il faut en ce moment. Il n'y a aucun problème. Ma loyauté, elle s'en va vers qui? Elle s'en va envers les citoyens. Si vous vous doutez de ça, là, c'est tous les citoyens. Puis, l'autre chose aussi, là, c'est que le problème n'est toujours pas réglé. Vous irez voir les allées de l'ancien Lodge Bonnybrook. Dites-moi que le problème est réglé avec ce qu'on fait avec ce terrain-là. Il y a plusieurs citoyens qui déjà se posent la question par rapport à la valeur de leur maison, qui vivent de l'incertitude, de l'anxiété par rapport au développement futur d'un camping possible. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Puis, tu sais, je suis en politique pour une raison. Tu sais, puis quand on me fait la morale sur les valeurs, tout ça, puis l'intérêt de la ville pour moi, là, c'est bien simple. C'est l'intérêt des citoyens d'abord. Les citoyens composent une ville. L'intérêt de la ville, ce n'est pas toujours l'administration de la ville. D'abord, avant tout, les gens qui l'habitent, ce sont ces citoyens qui doivent aimer. Ça, c'est mes valeurs. Ça a toujours été. C'est comme ça que ça devrait être la politique. C'est si une... vous ne partagez pas c'est... mon idée, bien, c'est correct. C'est une chose de dire les choses, c'est une deuxième de prendre des décisions qui les appliquent, c'est une troisième de participer à des décisions de manière juste et équitable. Moi, ce que je comprends, là, c'est que vous avez pris connaissance d'un projet particulier qui va vous amener à voter une réglementation générale au niveau de l'application. Vous n'avez pas implanté le règlement en fonction de la déposition de M. Garreau le 19 décembre dernier? Est-ce que... Il n'y a pas d'incarton de changer la réglementation pour les campings. Et tout d'un coup, suite au dépôt de M. Garreau, vite, il faut arriver, il faut intervenir avec une nouvelle réglementation qui va, entre autres, encadrer les campings. Encore une fois, directement le projet de camping de M. Garreau. Encore une fois, vous vous portez le défendeur d'un préjudice vécu par une personne. Donc, vous annoncez à tout le monde qu'il y aurait un préjudice vécu, alors que quand vous dites qu'on adopte vite un règlement, là, je veux dire, si on prend les faits tels qu'ils sont, là, le projet a été déposé en décembre 2019, ça fait quasiment un an. Donc, on ne parle pas de deux semaines. Puis je pense que si vous remettez en question le droit de la ville d'encadrer un usage sur son territoire, vous remettez en question un des grands pouvoirs qui sont donnés à une ville. Puis en ce sens-là, de ne pas reconnaître ça, c'est de témoigner en quelque sorte d'une grande ignorance du rôle de conseiller municipal. À tous les jours, quand on reçoit des dossiers, on se fait soumettre des problématiques. Puis quand on se fait soumettre des situations, à tous les jours, on prend conscience d'une situation qui peut nous démontrer que la réglementation n'est plus adéquate en fonction de la réalité. Ça arrive à tous les règlements qu'on vote, à tous les articles qu'on change dans tous les règlements, à quelque part, là, on vient enlever le privilège de quelqu'un pour en donner à un autre. Ça, c'est à la base même de l'adoption d'un règlement. Donc, en soi, là, ce que vous me dites encore, là, moi, je ne suis pas convaincu. Je suis convaincu d'une seule chose, c'est que vous mettez beaucoup d'énergie à prendre position et à vous faire le porte-parole d'une personne. Moi, je me fais le porte-parole des citoyens qui veulent bien me contacter, puis je vais les défendre vis-à-vis de leurs besoins. Face à l'hôtel de ville, c'est la responsabilité des conseils municipaux. Monsieur Beauséjour, avez-vous eu une rencontre avec M. Garreau avant l'Assemblée ou avez-vous pris contact avec M. Garreau avant la rencontre d'information de la semaine dernière? La réponse est facile pour moi, puis je n'hésiterai même pas. La réponse est oui. Je l'ai appelé pas plus tard que cet après-midi, puis on a eu une conversation d'à peu près 25 minutes environ. Essentiellement sur le dossier qui allait être appliqué ce soir, parce que j'avais des questions à lui poser par rapport à ça. Parce qu'avant de voter,
Moi, ça me prend vraiment une consultation publique en bonne et due forme. Pas quelque chose de si on veut, déformé par la réalité des choses de la COVID. J'entends que le délai était rallongé. Je suis content de ça, comme je disais en début d'assemblée. C'est parfait comme ça. Mais ça prend quand même une consultation publique. C'est pas juste une petite affaire. C'est quand même de quoi de majeur. Fait que ce que vous demandez, M. Beauséjour, c'est d'aller à l'encontre de l'avis du décret du gouvernement provincial. Non, je dis pas ça. Je dis c'est d'attendre que la situation permette une consultation publique, puis faire une consultation publique quand ça sera permis. Moi, je regarde les documents que nous avons reçus là, de la part des citoyens. Je pense pas que les gens manquent d'opportunités pour nous informer de leurs questions, commentaires et suggestions. Certes, le moyen est un petit peu plus compliqué, mais d'envoyer un courriel, d'envoyer une lettre, je pense qu'en même temps, ça permet de clarifier les positions puis d'éviter les imbroglios et le stress que pourrait générer une consultation publique en personne. Ceci dit, ce qu'on reçoit, là, c'est des documents très étoffés, très intéressants. Puis, sincèrement, là, certainement, il n'y a pas une diffusion web d'une consultation publique avec des gens qui viennent poser des questions en direct, mais ça n'empêche pas du tout les idées de circuler et ça n'empêche pas du tout les gens d'entrer en contact avec la Ville pour nous dire ce qu'ils pensent de la réglementation au sujet de l'usage camping sur le territoire général de la Ville de Saint-Colomban. Okay. Est-ce que vous me permettez de poser une question? Est-ce qu'on va avoir accès comme conseiller municipal avant le vote de pouvoir consulter tous les commentaires émis par les citoyens ou est-ce que ce sera comme le plan déposé par M. Garraud qu'on ne le saura jamais? Là, je pense que vous essayez beaucoup de faire du millage sur le fait que vous n'avez pas pu consulter le plan qui a été déposé par la Ville. Je pense que quand vous faites des accusations comme ça à mon égard, vous niez un peu la réponse que vous avez reçue de l'administration générale. C'est-à-dire, ce document-là ne revêt pas de pertinence quant à votre capacité à prendre une décision sur comment devrait être encadrer l'usage camping sur le territoire de la Ville de Saint-Colomban. Vous pouvez faire un petit peu de millage pour essayer de me mettre ça sur le dos. Ça, c'est votre droit. Ceci dit, tout document qui est envoyé dans le cadre de la consultation publique vous permet ainsi de prendre une meilleure décision. Donc, il n'y a absolument aucune raison légale de vous restreindre la consultation et le fait d'en posséder une copie afin de vous aider à prendre une décision. La loi dit que tout document nécessaire à la prise de décision doit être fourni aux conseillers municipaux dans le cadre d'une prise de décision éventuelle. Là, maintenant, si vous voulez démontrer que le projet typique d'un promoteur vous permettrait de prendre une meilleure décision, moi, là, je trouve que c'est d'une imprudence et je suis content de dire que la majorité, et je dirais les membres du conseil, je dirais la majorité parce que vous n'avez pris connaissance, n'ont pas eu à adapter la réglementation en fonction de ce qui a pu être déposé comme dessin à Ville de Saint-Colomban. Là, après, à vous de gérer le fait que vous vous êtes mis dans une situation particulière en faisant altérer votre jugement parce que vous avez pris connaissance d'un projet spécifique. Ça vous regarde. Bon, je vous remercie de me dire que mon jugement a été altéré sur une décision que je n'ai pas encore rendue, là. Mais plus j'ai d'informations, mieux je rends mes décisions. Ça a toujours été comme ça. C'est de quoi être très classique. Mais puisque vous amenez sur ce terrain-là, je ne vais pas me gêner de dire la vérité d'un bout à l'autre. Je suis désolé pour ceux-là que ça va écorcher, mais c'est important de le faire. Si vous me permettez de douter de ma loyauté vis-à-vis ce projet-là, étant donné que M. Garraud n'est plus propriétaire d'un terrain de golf, mais plutôt d'un simple terrain à développer, sans dire qui ou quoi que ce soit, j'ai quelqu'un que je connais ici, moi, dans le conseil de ville, qui est en conflit d'intérêts. Beaucoup plus que moi. Puis énormément plus que moi. Je vais vous donner un conseil, OK, que j'ai appris dans mes années antérieures. L'instance qui permet de déterminer qui est en conflit d'intérêts, c'est la Commission municipale du Québec. J'ai aucune idée de ce que vous allez dire, mais prenez soin de réfléchir avant de lancer des flèches. Puis s'il y a bien quelque chose qui est très, très précieux, là, c'est que les membres du conseil, moi inclus, soyons totalement libres de tout intérêt dans nos prises de décision. Exactement. Bien, c'est pour ça que j'aimerais que la personne concernée se retire des éventuelles discussions, comme on me l'a demandé de le faire à l'époque, que c'était un terrain de golf. Mais puisque c'est devenu un terrain, je conserve mes droits de voter. Mais que la personne qui se trouve en conflit d'intérêt
le disent clairement, comme je l'ai fait à l'époque aussi, pour d'autres décisions dans le passé. Ils invitent les autres membres du conseil à tout simplement se retirer parce qu'ils jugent ou qu'il y a un conflit d'intérêts tout simplement sur le projet éventuel de développement au terrain de golf de l'ancien golf Bonnybrook. OK? Soyons clairs là-dessus que si l'imprudence s'avérait sur moi, ben, elle peut aussi être sur quelqu'un d'autre à tout égard. OK? C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Saint-Pierre-Desjardins? Oui. Merci, M. O'Shaughnessy. J'espère que j'ai répondu moindrement à la question initiale. La prochaine question nous vient de Evelyne Miller du chemin Rivière-du-Nord. Elle dit « Hier encore, un autre cycliste est parti en ambulance car il y a une bosse en avant de chez nous dans le secteur 30 km/h. Ceci n'est pas la première fois à cause de cette bosse. J'ai déjà fait une plainte à la ville et j'en ai une autre aujourd'hui. Les cyclistes sont censés en faire une aussi. Je me demande qu'est-ce que ça va prendre pour faire réparer la rue. » D'accord. Je prends ça en note. Je vais en parler demain au service des travaux publics. Je sais exactement de quelle bosse vous faites référence. Oui, Mme Lapointe. M. Lalande, si vous me permettez, je suis rentrée en contact avec la dame en particulier pendant sur le comité des travaux publics. Donc, on est déjà en communication, elle et moi. Elle va m'appeler demain, puis je vais vérifier avec les travaux publics. Excellent. Et la dernière question pour ce soir nous vient de Luc Champagne sur la rue Adèle Berthelot, qui dit « Déjà 5 mois que je suis résident et toujours pas de pancarte qui indique le nom de la rue Nouveau quartier de la Rivière. » Oui, en fait, on est en situation particulière. Là. Monsieur, est-ce que vous pouvez me répéter son nom, Mme Saint-Pierre-Desjardins, s'il vous plaît? C'est Monsieur Luc Champagne. J'avais le nom de la rue, là, c'est ce qui est important là, à retenir là-dedans. Monsieur Champagne, en fait, comme j'en ai fait mention à au moins une reprise dans la séance municipale, tout ça est lié à la signalétique. Donc, on est un peu en stand-by dans le sens que on veut coordonner l'achat des nouvelles indications de rue avec le nouveau logo. Donc, le mandat va être donné au service des communications dans la prochaine année 2021 là, de se mettre à jour avec le service des travaux publics là, pour coordonner tout ça puis d'instaurer vraiment les noms de rue en fonction de la mise en vigueur et l'entrée en vigueur du nouveau logo sur les noms de rue. Donc, c'est ce qui explique un peu les retards là, dans l'application des pancartes. Puis si je ne m'abuse, à moins que ça soit déjà commandé, là, on va quand même, je compte sur Mme Lapointe pour faire le suivi ou Mme Doreche, là, avec le service des travaux publics, c'est peut-être déjà en commande. Parce que je sais qu'initialement, le projet, c'était d'appliquer des autocollants avec le logo sur les rues. Donc, on va clarifier ça. Puis si je suis capable d'avoir la réponse le mois prochain, je vais vous la donner, mais en espérant que ça se règle avant 30 jours. Merci beaucoup. Ça fait le tour des questions sur Facebook. Merci tout le monde. Ça a été une séance de questions diversifiée et enrichissante. Donc, ça prend quelqu'un qui va clore l'Assemblée municipale ou la séance, s'il vous plaît. Je propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Lapointe, appuyée par quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Daniel Doré, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde. Au plaisir de se revoir pour l'Assemblée extraordinaire du 5 novembre. Qui, dans le fond, qui coordonne avec la fin de la consultation écrite au niveau de la consultation nécessaire pour l'entrée en vigueur du règlement 3001-2020-12. C'est bien cela? Donc, sinon, on se voit à l'Assemblée ordinaire, là, qui est le deuxième mardi du mois de novembre. Au plaisir.